Ouais. Comment ça va les copains? Comment... Tais-toi un petit peu plus. Comment ça va les amis? En ce bon lundi que j'ai failli être triste. Comment ça va Pseudo Hunter? Et Hades et Apophis Gonzalez les mecs. Et tous ceux qui ne disent pas bonjour comme des fils de pute. Comment ça va les copains? Impeccable. C'est bien ça. C'est bien. J'attends toujours ma fibre. Mais ça va venir. Petit poussé, attends. Pour bien manger le soir. Le soir, il mangea bien. Fin de l'anecdote. Prends donc des notes. Salut ma soeur, ça c'est vous quoi. Alors du coup, tu vois, juste avant le stream, j'étais en train de manger. Comme d'habitude, me dira-t-on. Mais non! Parce que je me suis fait un vrai repas et ça a pris 15 ans à préparer. Du coup, j'ai speedrun mon mangeage, tu vois. Du coup, là, je suis un petit peu calé de ouf. Du coup, on va attendre un sympathique minute et après, on jouera tranquille. C'est aussi pour ça que j'ai pas encore lancé le jeu. Ouais, voilà. Il est chez vous ton problème, Chung Tsung. Eh oh! Eh, si tu veux, je peux t'en faire d'autres. Bon, là, j'en ai plus trop en stock, mais Et la prochaine fois, je reviens et j'en aurai. Eh, 5 € poème. Eh, cadeau, Ouais, j'étais en train de regarder Altered Carbon en bouffant. Et c'était pas l'épisode de la joyeuseté, tu vois. Du coup, il me fallait un petit remontant parce que c'était pas foufou là. Vraiment à deux doigts de commencer ma semaine pitoyablement. Bon, sinon, il était bien votre lundi. Comment a été votre semaine? C'est mon mot de passe pour rentrer chez moi, ça. Non, allez, dites-moi. J'ai envie de savoir la vie de nos abonnés. Enfin, Apophis, si tu réponds pas, du coup, mais... tous ceux qui sont amis peuvent répondre. Y a pas de problème. Bon, je vais lancer le jeu en attendant. Hein, parce que, je l'ai pas fait. Voilà, hop. Parce que je suis un gros tas. Attends, on va y avoir du bruit, non? Est-ce que ça va gueuler ou pas? Est-ce que j'ai mute le jeu? Tu veux pas mute le jeu? Ah, ça va, il est pas fort. Ok, et bien sur ce, je vais directement passer sur le jeu. Hein. Hop. Tais-toi, jette cette radio. Boum, transition. C'est pas fait de la transition. Il est où? Il est où, Witcher? Là. Je suis un mec aveugle. Ok, this is good. J'ai fait 7 heures de boulot en 4, c'est nickel. Quoi? Comment t'as fait 7 heures de boulot en 4 heures? C'était un sorcier. C'était impossible, surtout. Et moi j'étais à la fac, ça me prit une heure, et j'ai rien fait d'autre. Et ça c'était bien. Ouais, je setup en même temps, ouais. Ouais, je sais. Ouais, je suis un connard. Ouais, y'a pas de problème. Voilà. Je suis à fond dans The Witcher 3, t'en es où dans The Witcher 3? Hades, dis-moi tout. Où en es-tu? Pourquoi je laisse ça, nique ta mère? On l'a vu 15 fois, non mais oh. Mais c'est bon, j'ai envie de jouer moi aussi. Pas que ça à faire. Voilà. Parti, quartier du temple. Minuit 29, je m'étais arrêté. Eh bé. Petit fifou. J'en arrive à ce qu'il dit. Bonne chance. Bonne chance, poteau. Oh là là. Merci, Dractan. Merci pour le resub. 12 mois de participation financière à la cause, ça se fait, hein. Oui, c'est pour ça que je t'ai fait un gros bisou sur le micro. J'espère que tu l'as bien entendu claquer. J'ai dû speeder mes grands morts vu que ça fait deux lundis de suite que les colis sont pas livrés le samedi comme ça devrait être. C'est rigolo, la France qui tourne pas rond. C'est pas marrant. C'est pas marrant parce que c'est la merde. Bon. Je m'étais arrêté aux putes. Vraiment? Vraiment? Ouais, bon, ouais, c'est pas étonné. Je ne suis pas étonné, disons. Je veux dire, les putes, moi, jamais de la vie. Non, non, mais. Enfin, c'est une connaissance amicale, bien entendu. Je sais que c'était un bisou et une attaque cardiaque. C'est un peu des deux. Quand tu reçois un bisou de ma part, l'attaque cardiaque, elle suit, hein. Attends, je regarde mes quêtes, parce que je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, tuer des trucs. Ok.
Ok, donc c'est que tuer des trucs. Ça, c'est quoi? Faut que j'aille dans le marais. Ok. C'est quoi ça? Ok, donc là, je dois la parler à mon bro. Ça, je sais pas encore. Ah si, attends, attends. Attends, peut-être que... Attends, si, si. Attends. Oui. Oui, hôpital. Ah non. Non, mais non, je veux la suivre. Attends, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Et suivre, voilà. C'est bon? C'est bon. Inch'Allah, on baise. C'est parce qu'il est trop mignon, oui. Oui. Ah, ça va, y a Chenny qui avait bug la dernière fois à cause de sa grand-mère à la con là. Mais normalement. Pourquoi j'ai 3 épées? Normalement, normalement c'est fini. Normalement, c'est bon, j'ai sauvegardé après justement. Donc là, tout se passe bien. Ah bah oui, si, 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 c'est bon. Parce que j'avais déjà parlé chez elle. Ok. Ah, et bien, je suis bien content de revenir sur ce jeu. Parce que ça va prendre tellement de temps à faire, mais en même temps, ça va être tellement bien. Il n'y a que des Nous malades. tous mourir, mon M'en fous, elle est où, Chani? T'es où, sanglier. bébé? T'es où, bébé? Ah, là-bas. Je suis si fatiguée. Ah non. Putain, mais elle est où? C'est une tarte? Attends, je vous paye. Mais... Where is ton gros cul, madame? S'il te plaît. Me dis pas que c'est buggé, hein. Me dis pas que tu n'es pas apparu. Ah non. Ah, je ne veux pas y croire. Je t'en supplie. Oui, mais je m'en fous des gants. Je m'en fous. Elle veut pas être dehors. Bah oui, non. Alors, je suis comme ça. Bah... Ah non, elle est dedans. Ah, peut-être 2 jours, ouais. Ouais, mais attends, oh, c'est une infirmière, ça... Pardon. Une infirmière, ça soigne 2 jours comme de nuit. Putain. Faut tout leur apprendre. Ah, ces femmes. Bon, bah, vas-y, faut que j'aille dormir quelque part. Et je peux même pas aller dormir aux putes. Parce que, apparemment, je prends 10 secondes. Va pas elle, codasse. Bon, c'est où qu'il y a un feu? C'est où qu'il y a un putain de feu? Eh, je peux dormir à côté avec ton pipou? Ah non, t'as pas de pipou si j'ai une jambe. Je deviens fou. Attends, là, je peux dormir là, non? Oui, normalement je peux dormir sur le déclic. Ok. Frérot! J'ai besoin de ton Je lit! suis tout ouïe, loup blanc. Non, j'ai dit j'ai besoin de ton lit! Voilà. Ouais, simple déduction, logique. Oui, logique. Attends. Ah oui, je suis con. Crépuscule, ça? L'aube. 8h du matin, l'aube, c'est ça? C'est parti. Ah. Pardon, j'ai vraiment l'estomac plein, là. Je suis un genre de barrique. Tu me pousses, je roule. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et j'ai pas mangé grand-chose, hein. Mais je me suis stuff un petit peu la bouche. Quand j'ai vu l'heure, j'ai fait ah, mais c'est rigolo, j'ai pas trop le temps. C'est bon, il faut que j'y mange super vite. Bon, ah, c'est bon. Bon, apprenti. Cette blessure sûre, ah. Je vais changer le pansement. Putain. Non, mais attends, avant, il faut que je drague vite fait là. Non, mais par contre, elle est où, je t'en supplie. Genre, je t'en supplie vraiment. Je suis si fatiguée. Elle est où? Elle est où? Est-ce que vous. Êtes-vous venu prier la grande Mélitelle? Je ne suis pas très. C'est bizarre, t'as pas de gros seins. Mélitelle aime ceux qui se sont égarés. C'est bizarre. C'est tout. Aurait-il respecté la religion? Est-ce que ces DPA auraient respecté Dites les religions? Plus sur votre déesse. Mélitelle est la grande matrice. La déesse de l'amour, de la fécondité et de la guérison. Pourquoi la statue représente-t-elle 3 personnes? La déesse a 3 visages, symbolisant ses différentes formes. Oui, oui. Quelles sont-elles? Une jeune fille insouciante. Une grosse pute. Une femme enceinte. Et ta mère. Courbée à l'hiver de sa vie. Je vois.
Ah, c'est pas, ouais, j'étais pas loin. Adieu. M'en fous. J'aimerais bien trouver Shani, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Je vous. Oh. Mais attends, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas là. Infirmière, elle m'en fout. Bah non, bah. Non, elle est pas malade quand même, bah non. Bon, bah, je reviendrai plus tard. J'imagine que ça doit être lock par une quête. En tout cas, j'espère que c'est. Oh, j'espère que c'est pas bugué, je vais péter un câble sinon. Mais normalement, je veux juste la retrouver à l'hôpital. Ouais. Juste voilà. Je reste à l'hôpital, mais. C'est-à-dire quoi, je devais peut-être rester un petit peu dans les parages, pas attendre 15 ans. Non, bon, on va partir sur un autre truc. On va aller parler à Zoltan. C'est laquelle, Zoltan? Pardon. Bon, il lose. Voilà. Bon, voilà, on va aller se bourrer la gueule, ça va être bien. Bros before hoes. Tout le temps. Parce que je me fais abandonner, là. Pousse-toi. Cassez-vous tous, là. Je suis pas d'humeur. Dis, casse-toi, toi. Garde qui ne me one-shotera pas si je le tue. Enfin, oui, ça, c'est logique, mais... Merde. Ah. Là, c'est là. Ah, putain, s'en bat. Bon, mon ami, que veux-tu? C'est de la boue sur mes bottes. Non, ça c'est pas le bon endroit. Ça c'est un autre endroit de bonté. Voilà. Ok. Ah. Ok, we good. Il est où, Zoltan? Il est où? Et lui, c'est que la nuit, c'est ça? Je perds mon temps. Peut-être pas. Eh non, mais le jeu, il... Le jeu, il veut ma mort, en fait. Putain. Vous avez une 5. J'ai pas le choix. Juste tout ça pour aller en réserve, en plus. Bon, et... Maintenant, là, il y en aura peut-être. Mec, j'en ai marre. Il y a tous les PNJ, ils me mettent des vents. Je me prends des gigantesques vents par tous les PNJ du jeu. PNJ important. J'en ai plein le cul. Boucanier, il va toujours me dire d'aller niquer ma mère, j'imagine. Qu'est-ce que tu... Ah non. L'emblème de la salamandre. Vous connaissez? Souvent vu, ouais. Vous feriez bien de tout me dire. Le nom d'Azar vous est familier? Mmh. Joueur de foot, je connais, oui. Avant de trancher la gorge de... Non, pas celui-là. Je lui donne un dernier conseil. Ne me menace jamais. Oula, c'est pas parce que t'as un crâne qui pullule que j'ai peur. Tout est une question d'image, tu vois. Je veux vous parler de la salamandre. Mec, il s'en bat les couilles. Pourquoi avez-vous contacté Berengar? En quoi ça te regarde? C'était mon frère. J'ai l'air d'une pute, à ton avis? Bah oui, oui, bah oui. D'accord. Tire-toi. Vos hommes m'ont attaqué à l'hôpital. Tout seul, t'as refait le mois de ta taverne dans cette chambre. Mais oui, je fais que ça, putain. C'est trop chiant. C'est trop chiant, il n'y a aucun feu. Enfin, je viens juste d'en quitter un, mais c'est relou. Pourquoi ne suis-je pas convaincu? Rien à foutre que tu me crois ou pas. Dans ce cas, c'est un malentendu. Désolé pour vos gars. La vie est une pute. Et puis on meurt. Tu as bien raison. Maintenant, dégage. Fin du stream. Voilà, c'est message est passé. Ah, c'était bien ce soir. Je vous biffe de la liste des suspects. Je suis décidé à vous croire. Merci. Mais je vais pas te baiser les pieds pour ça. Si tu trouves cet empaffé de Javed, n'oublie pas de m'en parler. Pas de problème. Si tu tombes sur un de ces sous-fifres, je me ferai un plaisir de le faire parler. Avec tes biscottos gigantesques. Non, c'est vrai qu'en même temps, on mène une enquête.
sur des crimes. S'il est là ? Ah non, il est toujours pas. Ah s'il est là, ok, c'est bon. Sorceleur ! Zoltan Chivet, content de te voir. Tu as réussi à rentrer dans la cité ? T'as sacrément glow up, hein. Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi ? Comment tu t'y es pris ? Ces saletés de non-humains trouvent toujours vraiment un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro, j'ai hâte de parler. Je t'écoute ? Mais ça reste le meilleur perso du monde. Jouons au dé. Ah non, je l'ai déjà battu ? Ah putain, je sais plus. Re après une semaine au Maroc. Jure, toi aussi tu pars au Maroc. Enfin, t'es parti au Maroc là. Pourquoi tout le monde part au Maroc en ce moment là? C'est bien ou quoi? Et comment ça va, Naito, du coup? Comment est-ce que tu as kiffé tes vacances? C'est que ça ou quoi, poto? Mais non, c'est pas une addiction. C'est pas une addiction, c'est juste que j'aime m'amuser et en plus j'ai un brûlant de sang. Voilà, c'est tout. C'est bon, laisse-moi jouer. Je vais mettre au bas, ça va, ça va, ça va. Je vais peut-être juste un petit peu calme ce soir parce que j'ai un petit peu trop mangé vite. Du coup, oh, parfait. Du coup, je suis un petit peu tassé là. Mais sinon, toi bien. Oh non, fils de pute. Putain. Mais vas-y, j'avais une main trop bien. C'est notre ami connu sous le nom de Poon qui part une semaine au Maroc en vacances. Voilà, petit brûlant de 6. Un brûlant de 5, je m'en fous, je te bats. Là, tu vois, fait une paire de 4. Ou une paire de 6. Bah, t'aurais pu l'avoir à une semaine près, quoi. T'es des trous du cul. Putain de la merde. Je pars en Colombie. Et qu'est-ce que je vais faire en Colombie? Oui, bon, visiter, oui, alors oui, alors, oui certes. Pas à nous. Hein, pas à moi. On sait pourquoi tu vas en Colombie. Pour les gros culs, voilà. Et pour la drogue. DGSE? Oui, DGSE. Je sais, oui. Non, c'était une blague. C'est pas vrai. Aucune drogue n'est ici et ne sera là-bas. Visiter l'intérieur du... J'ai pas regardé, j'ai une suite. Les mecs, j'ai une suite. Oh, j'ai une putain de suite. Ah, je suis trop heureux. Parfait, Zoltan, continuons. Je t'écoute. Oui, alors. Que peux-tu me dire sur mon glaive en argent? Moi? Un simple nain? Chanier. Après, c'est peut-être magnifique, hein, l'intérieur de la Colombie. Hein. Voyons. Un glaive plaqué en argent, une base en acier. Ah. Du coup, tu vas où en Colombie, Gdouzou? Demain, de la belle œuvre, mais loin d'être parfaite. Pour les runes, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Pas de problème. Je cherche du travail. Il y a pas eu grand, hein. Il paraît que des monstres écument l'embarcadère du marais. Tout le monde s'en plaint. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait derrière ce danger? Va voir le Vardal. Vas-y, sur... Tu le trouveras sur la digue où il supervise les mouvements de marchandises. Une semaine à Arménia et une semaine au Monténégro. Mais attends, le Monténégro. Ah, ah, du coup, tu fais Colombie et République tchèque. Attends. Carte du monde. Monténégro. En dessous de la République tchèque, non? Ou alors il y a une ville en Colombie qui s'appelle Monténégro aussi. Merci, Zoltan. Je t'écoute. Je suis complètement fou ou j'ai raison? J'ai déjà remporté quelques parties de poker. Félicitations! Tu n'es plus. La bite, plutôt, elle lule. Où est-ce que je peux trouver les célèbres joueurs de poker de Vizima? Ah, c'est une ville à côté d'Arménia. Kiff, photo, kiff, kiff. Près de l'ours poilu. Ça va être intéressant. Ne t'étonne pas. Je connais pas trop. Les gros bonnets ne jouent que contre des professionnels. Et un professionnel. Fais attention à toi, mais kiff. Un joueur avec au moins 4 victoires contre des professionnels. Oh, let's go. Oh, let's go. T'asseoir à toutes les tables. Ah, let's go. Il faut que je batte 4 professionnels. Facile. T'en fais à combien là? Là, il y a le parc naturel du café. Eh B. Stylé. C'est lui. Okay. Bon, j'ai pas fini de te parler, alors tu vas te relever. Tu connais la banque de Vivaldi? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça?
Nouveau propriétaire. Encore des humains. Ça explique beaucoup de choses. Saleté d'humains qui aiment l'argent. Capitaliste. Comment ça va? Tu as déjà pensé à te marier, Gérald? Mon métier laisse peu de place au mariage. On peut pas parler de trucs marrants, genre se bourrer la gueule et taper des monstres et finir la gueule dans la boue. Ah oui. Oui, de parler de mariage, Zoltan, putain. Je deviens jaloux. Les naines sont si séduisantes. Si on allait boire un verre, ça ne peut pas faire de mal. Et voilà. Tu te fous de moi? Je n'oserais pas. C'est pas un sujet de plaisanterie. Mais sinon, on peut boire quand même. Non, parce que... Tu as une minute. Moi, je joue. Qu'est-ce qui te chiffonne? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens philosophique, de la vie, là-dedans, vas-y. C'est ça? Ah, le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Bien. Joliment dit. Mais comme le je voulais faire un gouffre, mais j'ai oublié que ça coupait le son. Au roi Vridank, lors de leur premier rendez-vous. Gueule, on vous. Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde. On s'en fout. Gérald, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en, t'es pas en philo. Avec de nouvelles règles. J'ai pas l'impression que ça va être le mal. Cool. Non, mais qui plus synonyme de chaos. Ah, si j'avais de l'argent, j'aimerais bien aussi partir en vacances, tu vois, genre. Le mal obéit aux règles. Pays de l'Est, surtout. Qui lui ont été conférés. Et la boule derrière là. Respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps. On a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs. Mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Oh, c'est joliment dit. Un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois? Tu fais comme Bachar, la salle. C'est la relativité de la morale. Non, attends. Qui est le plus grand paquet de merde. Non, merde, pas là. C'est pas mon truc, là. Les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Ah, putain. Partout que le troupeau de porcs nous conduise. Oh, tu fais chier. Mais vous voulez pas garder vos points pour téléphoner à Russian plutôt, là? Bande de relous. Bon, attends, je finissais, je raconte la blague. Putain, bon. Bon, en plus, je viens de finir la philosophie, là. Bon, vas-y, blague courte mais raciste. Enfin, je veux dire, blague courte et rigolote. Alors, il y a quoi? Ouais, mais elle est facile, celle-là. Oh! Attends, quoi? Ah, ok, attends, ok, j'en ai une. Que font trois putes allemandes multipliées par 2? 6 Autosbosch. Non, elle est mathématique, elle est un peu rigolote. J'ai voilà. Voilà, petite blague, c'est cadeau. C'est que la Somalienne, elle était vénère de ouf. C'est avec la Somalienne. Je ne connais pas de Somalienne. Ni de blague. Bon, du coup, je fais quoi maintenant? Oh, putain, j'aimerais bien aller voir Shani quand même. S'il te plaît. Mais peut-être que je m'en souviens plus. Peut-être que j'ai décidé d'oublier. Oui, je viens de dire la blague. Tu as loupé la blague. Elle était rigolote, la blague. Elle était un peu drôle quand même. Je suis pas né de la dernière pluie. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est en même temps? Tu peux pas naître d'une pluie en fait. C'est terrifiant, sorcière. C'est difficile de trouver à se nourrir. Quand est-ce qu'ils vont permettre aux marchands de revenir dans la cité? Apparemment, la quarantaine durera tant que la peste ne sera pas finie. Ah, mais c'est super actuel en fait! The Witcher 1, c'est super actuel, dis donc! Bon, tu remplaces la peste par le coronavirus et on est bon! La ville est cloisonnée! Bon, est-ce qu'elle est là maintenant? Non? On va tous mourir. Ah, elle est là, putain, enfin! S'il te plaît, Gorda, jamais. Jamais. Juste sauvegarder au cas où. Je ne m'arrêterai jamais tant qu'il sera pas soigné. Enfin, salut, Gérald. Bonjour, comme la grippe, quoi. Oxenfur me manque par moment. Tu peux y retourner?
Non, on a besoin de moi ici. Trop peu sont immunisés. Je voulais te parler. Fais vite, je dois reprendre le travail. Oui, mais... Putain, je peux dormir. Je peux me rendre utile. Tête à l'âne serve à rien. Suce-moi. Eh bien... Je peux te parler. Alors... Pas de traitement contre la peste. Mais... Tu connais mais Gérald ? Ça ne me dit rien. Sex. Miam, miam. Mais Gérald, mais tu... Espèce de malade mental. Il te faut ces plantes. La bave aux lèvres. Et la plus efficace est la Kélidouane. Malheureusement, on ne la trouve qu'en terrain marécageux. Ah putain. J'aurai de mon mieux. Au mieux. Chaque fleur compte. Rapporte ça au moins 5 pouces. Ok. Il faut que je te parle. Ça peut attendre ? Eh bien... Passe chez moi. C'est mieux pour les affaires personnelles. Où es-tu installé ? Je loue une chambre, dans le nord-est de Vizima. Je trouverai facilement. En face de la maison, il y a une petite place avec une sculpture de serpent. Pas les fleurs, pas encore. Je dois reprendre le travail. Ah ? À bientôt. Ah, de quoi pas les fleurs, pas encore ? Ça me soufflock quelque chose ? Les fleurs ? Fais vite, je dois reprendre le travail. Ou c'est une vanne ? Bon, du coup, je vais dormir. Je vais attendre la nuit, puis je vais aller la voir. Hop, je pense que ici ça sera bon. Ouais, Inch'Allah. T'imagines en fait Gérald. Ah, mais non ! Ah, mais non ! Mais Naito ! Tu te rappelles pas les fleurs du dernier stream ? Ah, si ! Ah, mec, je croyais que tu me disais de faire attention. Ouais, non, mais j'ai un peu. J'ai préféré effacer ce... C'est que 15-20 dernières minutes de stream de ma mémoire. Vraiment. Vas-y, sois horriblé. Mais du coup, c'est dans le marais. Bon, attends, je vais lui parler. Puis après, on fera un check-in des quêtes pour voir ce qu'il y a à faire en ville encore. Puis après, on ira dans les marais. Alors, où est-ce qu'elle habite ? Là-bas, je crois. Quoi? Ok, gratuit ça. Attends. Pause vite fait. Ah, c'est mon Glametoroid, bah let's go. Ok, donc maintenant... Maintenant on cherche à m'assassiner. Cette quête est sympa en vrai. Celle des fleurs. On la fera après. Enfin, on la fera quand il n'y aura plus de... Non, tu ne vas rien faire, VF, qui est décédé à l'heure actuelle et je suis très triste. Putain, il m'a sonné là. Attends, il m'a sonné. Mais non. Ouf. Il m'a... Attends, je suis mort là. Mais non. Mais j'ai mouru. Mais non. Attends, j'ai mouru, j'ai même pas fait exprès, j'ai même pas vu. Bon, c'est la première mort, c'est pas grave, il n'y en aura pas d'autres. Inch'Allah. Attends, je vais repasser ça. Bonjour, vite fait. Tu peux... Non, oui. Je peux... Oui. Je... Petit peu de... Scooby-Dee. Oui, Scooby-Dee. Merde, j'aurais dû... Non, attends. Voilà. Et hop. Bon, je vais me faire aggro par deux assassins à la con, là. 100% c'est le boucanier. C'est ton enfoiré là. Bon allez, lève-toi. Non merde, lève-toi. Bah, c'est parti. Ah, j'ai mal, attends. Ah, mon cou. Ah. Ok. Hop. Par où? Par là-bas. Putain, j'ai pas fait gaffe, je me suis vraiment fait exploser la gueule en fait. J'aurais peut-être dû. Prendre une stance un peu plus lourde. Genre celle-là, tu vois. Putain, ça l'a pas. Non, ça. Ah, j'ai trop faible, ça l'a pas stun. Oh, ça c'était. C'était classe, dis donc! Non, j'ai pas encore d'armure, mais j'ai pas de thunes donc je dois faire 100.
Ah ah, j'ai fait boss, tu ne me toucheras jamais. Oh là 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 là, le timing est parfait. Putain, ils ont beaucoup trop de vie. Ils ont vraiment beaucoup trop de vie. Voilà, hop, ça c'est fait. Il y a quoi? Du steak. Oh, de la droge. Rayon de miel. Bon, je vais la prendre. Orange, je prends. Bah, je vais prendre. Je vais manger tout ça tout de suite, en fait. Et puis ça aussi, je vais prendre. Hop, merde. Juste que je me remette un petit peu dans le... Pardon. Quoi? Putain, rien. Je me mets un petit peu dans le truc et puis ce sera parti. Pourquoi il y a eu 4... Oh. Alors là, c'est overkill, hein. C'est bon? Vous pouvez me lâcher, maintenant? Merci bien. La chorégraphie tellement classe à force de... Ouais, non, mais ça, c'est trop stylé, hein. Ok, j'ai 8-20. Putain, mais ils sont tous de la drogue sur eux, là. Ah, lui, il était camé, lui. Bon, y'a rien. Et c'était pas là, du tout. C'est pour sortir, j'imagine, de la ville. C'est duré, du tout. Salut, Zordon, ça vaut, quoi. Putain, mais... Mais lâchez-moi. Voilà, allez, hop, allez, dégage. Tu peux ranger ton épée? S'il te plaît. Ça vaut quoi, Zordon, moi? Peut traverser de haut en bas. Ouais, non, mais là, j'ai fait un petit peu de la boucherie avec, là. Genre charcuterie maison. Putain, je sais plus où c'est. Ah, mais... Mais c'est où le... C'est pas là, le marché? C'est pas là, normalement, le marché? Je ne sais pas. Ah, c'est là. C'est là, c'est là, voilà, c'est là. Tranquille. Parfait. Parfait, alors. Non, la vieille, encore, sérieux. Excellence, à l'étage. C'est bon, tu vas pas me faire chier? Oh, pareil, oh, ça. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, mec. Allez, là. Mec, je la voyais pas, j'ai failli péter un câble. Une petite sauvegarde. On sait jamais. Ah, non, non, mais tu rigoles, mais j'ai eu peur, mec. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, Chani. Bonjour. Je voulais te parler. Oui, moi aussi. Qui a-t-il? C'est là. Parfois, je rêve de la bataille de Brenna. Le massacre. Je suis désolé. Justement, je ne suis pas désolé. Je me réveille fraîche et dispose, comme si j'étais habituée à la souffrance. War, Geralt, war never changes. Parfois, ça fait du bien de se confier. Je suis là pour ça. Oh, oh, la disquette. Oh, le maître disquetteur. Oh, oh, mais non. Oh, j'hallucine. Clayton qui nique. Avec les disquettes qu'il envoie, putain. Bon. Est-ce que j'ai des quêtes à faire ici? Ça, non. Suite de chien, non. 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 On est sur la digue, ok. Dans l'accès des habitants du marais, donc ça c'est au marais. C'est Kelstein, du coup on en portera plus tard. Ça c'est pour se battre. Ça c'est pareil. C'est celui qui voit seulement. Je... Ah oui, mais putain, mais ça bug ça. Ça bug et ça fait chier. Ah non, fallait que j'attende, je crois. Pourquoi il court là-dedans? Qu'est-ce que tu veux? Une femme m'a dit de sortir de son jardin. Alors moi, j'ai pissé sur ses fleurs pour qu'elles poussent mieux. Ok, espèce de dérangé mental. Ça c'est plus tard. Ça c'est celle qu'il faudra que je fasse, mais j'aimerais bien avoir les. J'aimerais bien avoir les ingrédients avant. Il serait. Attends, c'est quoi? Il serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Il est quelle heure hein? Il est minuit. Moins un. Parfait. Oui, mais c'est un nain qui est plus normal, en fait. Un petit codard qui pue sur des fleurs. Non, c'est bon. C'est bon. All checks out. Attends, je récupère un petit peu des bébéries. Voilà.
je crache pas sur du matos. Par cœur la petite courgette. Dommage. Bah, c'est par où? Non, c'est l'eau, putain, je crois que ça brille en bas, j'ai dit, c'est ce bordel. Quelle est cette bise? Ça cogne. Comme Bertrand Cantat. Oui, elle était facile, je sais. Putain, c'est en bas. Ah, mais il me fallait pas la clé. On l'a remis, ça, c'est des, ça se déverrouille. Je sais plus. J'aurais peut-être dû regarder avant. Est-ce que c'est Locke ou pas? Ah putain, c'est Locke. Fais chier. Et quelle heure là? 23h. Et si je vaux pute, ça fait passer une heure, tu penses? Y'a une pute là, vite fait? STP? C'est pour faire passer l'heure? Y'a rien d'autre? Elle est bonne. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Ah, mais je vais pas aller. Je vais pas les taper, ils sont gentils. Enfin un vrai repas. Putain, bon, je vais aller me bourrer la gueule. 23h30. Chienne de vie. Ma chienne de vie. Et ça tape quand j'écris. Ok, vas-y, je vais boire un petit coup. Voir, ça, c'est bon, ça fait passer le temps. Non. Tavernier. Tavernier. Ah, mais c'est... ah oui, il y a lui. Que voulez-vous? Ah mais lui, enfin j'ai lu si on y va en exécution maintenant, je perds de la thune en fait, c'est chiant. Dites-moi qui achète. Laissez-moi. Ah, c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je dise. C'est pas vrai. Bon, y a quoi? Ça c'est que des trucs importants quasiment. D'où ça? Bah dégage. Ah non, fallait que je les vende. Oh, je vendrai plus tard. Ok. Et tout ça, c'était bon, de toute façon. C'est... ah, merde, je veux lui acheter le début. Y'a pas une serveuse, normalement? Faut que je baise. Ah, c'est merveilleux, dialogue. Conrad, pourquoi t'es en vert? T'es qui? Buvons un coup. Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Tiens, c'est cadeau. Ah mais non, mais attends. Ah oui, c'est lui, le mec au... c'est le mec au vin. C'est ça là? Non. C'est quoi son vin de merde là qui était ultra rare? Non, c'était quoi? C'est pas l'hydromel, si? Vin rouge de Toussaint, non. Vin blanc de Beauclair, non. Ah, c'était le très vieux vin. Ouais, mais non, mais il va se faire foutre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, serveuse. Oui. Ouais, il n'y a pas l'argent pour te payer, du coup, tu lui dis ouais, bah, j'ai bien fait d'aller se faire enculer parce que. Mais non, mais je peux voir tout seul en fait. Non, mais c'est bon, tranquille. Je vais pas passer le temps tout seul, voilà. Hop, une petite. Attends, il passe pas. Non, il passe pas. Y'a pas quelqu'un pour jouer au poker là, vite fait? J'ai pilé. En fait, ah bah attends, bah. Bon, c'est un Corin. Tavernier, tu me casses les couilles? C'est... hop. Vous avez une 5. Oui. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de potions et j'ai plein de trucs. Alors, alchimie. Ah, c'est de l'huile ça. Ok.
Ah, mais je... ah merde, j'ai pas d'alcool. Ah, j'ai que de l'eau. Ah putain, j'ai plus de vodka ou... Merde. Ah, j'ai plus de base. Ah, fait chier, j'avais ça, je sais pas. J'ai pas de points. Non, j'ai pas de points de talent. Bon, bah, j'ai perdu 5 balles. Je vais attendre petit matin au moins. Hein. Ah bah non. On va partir de minuit. Hop. C'est pas grave. C'est combien minuit là? Putain, minuit et demi même. J'espère que c'est vraiment pas minuit pile et que c'est minuit tout court. Bon, après, si c'est bloqué, on ira voir ailleurs. Poussez-vous. Ah non, ok, c'est déloqué. Okay, qu'est-ce qu'il y a dans cet entrepôt? Javed et le professeur ont disparu. Mais mieux vaut un qu'aucun. Allons-y. Ah, il y a plus de monde. Bonjour. Qui est-ce? Ce n'était pas notre accord. C'est juste un sorceleur. Oui, ça aurait peut-être dû save. Les sorceleurs sont des golems dénués de volonté propre qui obéissent au doigt et à l'œil sans se plaindre. N'est-ce pas, Gérard? C'est trop tard. Est-ce que je fais l'idiot ou pas? Oui. Vas-y, je songe. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Et puis... Vous n'êtes pas venu seul. Alors, notre accord? Je ne lui fais pas confiance. À ce qu'on dit, c'est un enfoiré d'assassins qui a tué une dizaine des nôtres. Oh, mais non, c'est qu'un détail. C'est du passé. Mais oui, et puis vous avez tué bien plus de gens que moi. Non, mais où? Votre avenir est compromis si jamais... Assassin! Vous l'avez trahi. Et croyez-moi, il l'apprendra vite si vous ne vous mettez pas à table. Tu ne m'effraies pas avec tes menaces en l'air. Assez. Où est Javed? Où sont les secrets des sorceleurs? Répondez avant que je vous donne la bouffée au rat. Vincent, arrête-le! Je ne sais rien. J'étais l'assistant du comptable de la salamandre. Oh, comment il lui a mis la pression d'un coup? Je ne sais ni où il est. Oui, il s'est chié dessus. Le professeur? Ouais, seulement 10. Connerie. Je vais vous en donner des raisons de parler. Il m'a promis une protection contre mon témoignage. Sur la tombe de ma mère, je sais rien. Arrête-le, t'es de la police. Ah, sur la vie de Rome, sur la vie de mon mire. Vas-y, je suis innocent. Je m'en vais. Coucou, Edwim. Comment ça va, Edwim? Vous avez participé au meurtre de la famille de Rey. Oh, sur la vie de... sur la vie de ma mère, là. Oh, sur la vie de mon mire. Oh, c'est... Ah. Oh, sur la vie de ma mère, c'est pas moi. Oh, sur la vie de ma mère, c'est la merde. C'est la merde, là. Ouais. C'est la merde. Attends, c'est la merde. C'est quoi cette VF du cul? Mais non, elle est très bien, la VF. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes comme Inumini? Oula. Attends. Inumini quoi? J'ai pas de... Obscurité. On a de la réflexe. Bon bah... Mangeons. Il se barre enculé. Ok, bon ça va. Eux ils perdent encore bien de la vie. Et finis-le. I. Oh. Oh, j'aimerais pas me la recevoir dans la gueule celle-là. Et tout seul là, non, il est tout seul. Elle est très bien la VF déjà de base. Et en plus, elle est, il y a des gens, ils sont décédés maintenant. On n'entendra plus jamais le jeu. Allô? The Witcher ne répond pas. Hihihihi. J'ai pas sauvegardé avant. Ah mais elle est bien la musique hein. Ah elle est bien. Ah je kiffe le. Bon, c'est avec beaucoup de regrets que... Mais elle est bien la VF. J'ai rigolé. Elle est bien la VF. Bon bah je relance, hein. Y'a pas de choix.
Oui, The Witcher 3 ne répond pas. Attendez que le programme réponde. Je vais pas répondre, je t'en supplie. Non. Bon bah, je quitte. J'espère que la sauvegarde ne t'y pas tient trop longtemps. Oh putain, c'est la première fois que le jeu y crache, dis donc. Et j'espère que ce sera la dernière. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ok. Oui, hop, je vais passer. Charger, elle était où? Maison de chasse. Non. Non, c'était loin. Non, c'était loin, vraiment, pour de vrai en plus. Oh. Ah, mais je vais pouvoir dormir, Chuchani. Haha. Mais non, Rome 2, le jeu ne vient absolument pas de crasher. Je viens pas de perdre littéralement 10 minutes à rien foutre. Je vais rigoler. Oui. Ça va quoi, Rome 2? Il faut que je dorme. Gérald, il se crash. Ça marche beaucoup trop bien sur moi-même. Hop. Jusqu'à minuit. Voilà. Et je vais te garder devant l'entrepôt. Au cas où le jeu redécide de crash dans mon visage. Voilà. Cut. Y'a pas un zoom là vite fait là? Pas un petit zoom là. Pas un petit zoom. Genre, petit zoom sur un petit chambler. Ah, tes yeux ils pépitent. Ah, tes yeux ils pépitent. Ah, ils crépitent. Ah, je me casse. Ah, dégueu. Ah, sorcière. Ah, tu viens avec une sorcière, le vieille. Ah, dégueu. Bon. Je suis loin du temple. Putain, il est rendu. J'espère que c'est pas trop tard. Ça va me casser les couilles sinon. Ok, c'est par là. Je t'en supplie, sois encore en train de faire des trucs pas très légaux. Voilà, genre discuter avec des membres de la salamandre. Qui sont activement recherchés pour meurtre. Par moi-même. Ok, c'est bon. J'ai pas sauvegardé. C'est pas grave. Jamais le professeur ont disparu. C'est pas grave, hein, ça a pas bugué. Je veux le nice. Peut-être que si je sauvegardais avant le combat, enfin pendant le combat. Oui, mais j'y pense pas. Je vais plus vite que ma musique. Qui est-ce? C'est juste. C'est nul. Ouais, voyez. Okay. Je ne lui fais pas confiance. Oh mec, les plans de caméra, ils sont géniaux. À ce qu'on dit, c'est un enfoiré d'assassin. C'est du Martin Scorsese. Nous n'allons pas jouer à qui a tué qui. C'est du passé. Le champ contre champ, il est enculé, poteau. Votre avenir est compromis si jamais d'apprendre que vous l'avez trahi. Et croyez-moi... Tu ne m'effraies pas avec tes menaces en l'air. Assez. Vincent, arrête-le. Le professeur. Je ne sais pas. Connerie. Tu m'as promis une... sur la tombe. Non. Ah là, c'est marrant, je peux pas sauvegarder, Hervé, ça dit non. Mais quel humour vous avez, mon bon monsieur. Ok. Ok, ça brûle. Oh là là, j'adore. Mais... Ah mais j'étais en rapide. Ok. Elle vient de loin la série. Ouais, elle revient de loin la série quand même. Hein. Quand tu vois ça. Enfin. Le jeu il date d'il y a 11 ans. Et il y a 11 ans, je pense pas que les mecs ils s'imaginaient en pouvoir en faire une série quoi. Enfin. Plus. Si, mais je parle d'une série à gros budget. Occidental, tu vois. Enfin, occidental. Je vais te massacrer. Pas un truc polac qui a coûté 100 000 dollars, quoi. Ok, c'est bon, là c'est bon, ça peut bugger. 13 ans, voilà. Il y a 13 ans, tu vois, personne pensait. Que faire une série sur The Witcher par. Netflix. Enfin, ça n'existait pas, mais.
Du coup, si avec un vrai gros budget américain, tu vois. C'était, ça, c'était dans les têtes de personne. Hop, peu de thunes. C'est tout. Attends, quoi? Ah, mais c'est... m'en fous de leur dague. La merde. Et quoi dans la penderie? La thune, je prends. C'est quoi? Une épée, m'en fous. C'est la sortie. Hop, parfait. Il y a 13 personnes qui croient la merde du vidéo aussi. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années... Non, encore ça... Ça allait. Mais si, vieux con. De quoi, mais si, vieux con? Pour la série? Non, pour la série, mec, il y a 13 ans... À part des Polonais vénères, il n'y a personne qui y rêvait, hein. Bon. Bon, peut-être s'il est fan, mais... Mais enfin, si, il rêvait, mais c'était tout, quoi. Il n'y a pas eu de série polonaise. Est-ce qu'il y a eu une série polonaise? Parce que je sais qu'il y a eu un film. Je sais qu'il y a eu un film polonais. Non, mais c'est pour ça que je dis que personne n'imagine une série. Parce que je sais qu'il y a eu un film, du coup, The Witcher, qui a moyennement marché, je crois. Mais c'est tout, tu vois. Ah, si, peut-être qu'il y a une série. Série B. Si, je crois qu'il y a une série B. Si j'ai pas de conneries, il y a une série B à The Witcher. Bah, du coup, je vais mettre la quête pour interroger l'autre con. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. C'est quoi, c'est qui? Là. Voilà. Hop. Et pourquoi mon BS il pète un câble? Je perds des images? Bah non. Pourquoi il passe en jaune? Pourquoi je passe à 5000 kbps? C'est quoi ce bordel? What is this fuckery? Pourquoi ça fluctue autant? C'est pas normal. Bon, si le stream il crash, c'est pas normal. Ok. Vous avez pris des notes? Non, non, mais je... S'ils ont fait un 2 et un 3, c'est parce que le premier, il avait quand même relativement bien marché. Mais, je veux dire, au-delà de la niche qu'il y avait, c'était pas... Faut que je sorte. Lou Vincent. Ah, peut-être pendant la... Ben non. Pendant la nuit. Pendant le jour, plutôt, du coup. Ah, mais non, il est au donjon. Ah bon? Witzmin 2001, ouais, voilà, série de 2001, bon. Bah, non, il est Jojo, mais. C'est tout, quoi. Je vais y aller, merde. Je peux pas pioncer, vite en prison, là. C'est vrai que 13 épisodes sur la série de Witcher, ouais, non, mais. Ça date, enfin, c'est. Puis c'est vraiment. Enfin, c'est Polak à fond, genre, pas de traduction ni rien. Ah non, mais le premier il est très bon, ce que j'allais dire. Avant de continuer de parler de la série, le 2 il est. Ça dépend du point de vue, Rome2. Ça dépend du point de vue. Enfin, de ton point de vue en fait. Je streamerai hein, le 2 du coup. Quand, je sais pas. Enfin, oui, après le premier, ça c'est certain, mais quand, je sais pas. Et de mon point de vue à moi, je trouve le 1 bien meilleur que le 2. C'est, ça se joue au détail, parce que ça change pas vraiment... Enfin, ça change, bien entendu, mais c'est pas non plus... c'est pas flagrant, tu vois. Oui, bah, t'as les graphismes sont mieux, le gameplay change totalement, je crois. Il se rapproche plus du 3 que du 1. Toujours... Pourquoi vous me regardez bien? Toujours aussi bien écrit. Enfin, c'est pas... C'est juste au niveau du gameplay que moi, ça me plaît un peu moins le 2. Parce que le gameplay du 1, même si ça fait très Dandanpachi... Non. Dance Dance Revolution. Même si ça fait beaucoup Dance Dance Revolution, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cliquer en rythme comme ça, tu vois. C'est pas... Enfin, c'est une bonne... C'est un bon... C'est... Une bonne méthode de combat. Je trouve.
Je suis peut-être le seul. Attends, par contre, faut juste que je regarde un truc dans mes paramètres. C'est pas normal. Deux secondes. Mais non, mais j'ai mis à 4000. Ah merde. Adwim, est-ce que tu peux regarder dans tes options OBS deux secondes et me dire si utiliser une tag de tampon personnalisé c'est coché ou pas? Je crois que je l'ai décoché il y a un bail et c'est pas normal. Soit un pu. Putain, mais pourquoi j'ai autant de fluctuations? C'est bizarre. Attends, ouais, y a pas de problème. Hein. Parce que c'est décoché l'utilisation de tampons et je sais plus si ça devait l'être. Après l'époque sortie du 2, le gameplay était innovant. Ah oui, non, ça reste. C'est vraiment le 3 qui pêche au niveau du gameplay. Hein. Le 2, oui, ça reste innovant. Mais j'ai quand même une préférence pour le 1. Tampon de relecture. Non, utiliser une taille de tampon personnalisé. Dans sortie, avancée. Je suis en CBR, 4000 kbps. Image d'intervalle 2, ça c'est normal. Mais je sais plus si c'était coché en fait. Enfin, moi c'est marqué tampon personnalisé donc c'est pas relecture. Désolé les mecs, hein, c'est juste. Je passe dans le jaune en fait, c'est la première fois. Donc je sais pas si c'est juste mon PC qui est en train de faire un AVC. Ou si c'est juste que j'ai niqué un truc juste dans mes options. Bon, attends, ça marche, c'est comme ça, mais. Non, j'avoue, j'aime le gameplay, regardez, c'est cool à jouer. En port, ouais, mais... Ah ouais, ah, j'ai peut-être pas mis à jour. Peut-être pas mis à jour. De toute façon, s'il y a un seul truc à cocher, ça doit être celui-là, j'imagine. Alors non. Enfin, quand tu parles de la. Ouais, Gothic. Si, non, je confonds avec. Merde, c'est quoi que. Qui est... Ah. Bah merde, c'est quoi que j'ai demandé des infos la dernière fois? C'est quel prochain gros RPG qui va sortir là? Baldur's Gate, putain, voilà. Moi j'ai jamais joué au Baldur's Gate. Par contre, Gothic, je connais un petit peu. Pas les Gothic en eux-mêmes, mais moi je connais les rip-off de Gothic, a.k.a. Ryzen, que j'adore, sa mère. Que j'aime. Non, pas Battlefield, tu connais pas non plus Battlefield. Et j'ai vu que t'avais passé une heure à faire une putain de tartiflette. Espèce de malade mental culinaire. Bon, bah là, il y a que de la chasse. Je vais pas aller parler à Kalstein maintenant. Je vais aller dans les marais. Hop. Porte de bois, vas-y, on va aller là-bas. Hein. Mais Gothic, bon, là c'est vraiment crispy Gothic, hein. faut avoir son slip bien accroché quand même. Hein. Parce que c'est chambé un petit peu Gothic. Hein. Ah, j'ai pas le droit peut-être. Je me donne le droit. Hein. C'est bon de vous revoir. Où allez-vous? À la digue. On ne passe pas, interdit par le capitaine. Pourquoi? Ordre du capitaine. Ah, putain, c'est vraiment une nouvelle zone, Monsieur, les marais. Est-ce ainsi qu'on traite un héros? Geralt, le sorceleur qui a sauvé Vizima des griffes d'un Cocatrix. Un héros? C'était... Il est comme l'un des nôtres. La Cocatrix, c'était tout au mieux un petit Vélociraptor, vraiment. C'était vraiment pas plus haut que ça. Merci, Siegfried. Ah, j'aurais peut-être pas dû y aller, en fait. Une surprise dans les égouts. Un chevalier de la Rose Ardente. Couvert de fange de la tête aux pieds. Nous un raptor. Là, d'où il vient d'un, regarde. Non, pas lui, hein. Il travaille toujours seul. Lui, un petit peu à côté. Ah, mais. Il était pas comme ça, hein, dans le jeu, hein, tu mens. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Oh, c'est beau. C'est vraiment joli. J'aime bien cool le style comme ça. Dessiné très. Très épuré. Ah, c'était juste une petite cinématique. En même temps, si c'est une nouvelle zone, ça me fait chier un peu. Après, j'imagine que tout ça, ça pourrait être complété là-bas, du coup. Mais attends, ça, c'est quoi? Ça, c'est les marais? Non, ça, c'est la digue. C'est le quartier des marchands aussi, où j'ai pas encore été. Est-ce que j'ai de la suive de chien sur moi? Graisse d'oie, graisse de bœuf. Ah, j'en ai que 3 de suive de chien. Ouais, on va voir où ça mène.
Non, j'aurais bien aimé bosser, mais il y a absolument pas de travail. Donc non, pour l'instant, en ce moment, c'est fac. Et rien d'autre. Ah, nice, bon, c'est cool. Pouvoir compléter quelques quêtes, normalement. Normalement, j'ai tout lu. J'ai tout lu, comment dire, j'ai tout lu pour pouvoir les dépecer. Pourquoi cette question, hein, Rome, tout que tu savoir, mon ami. Mon glaive, mon gros glaive, par contre. Non, en argent. Prends le glaive en argent. Voilà. Oh non, mec, le jeu, il est trop vieux. Y a pas de cheval dans le jeu. Bah merde. Ah bah, c'est pas noyeur, je m'en fous. Si ? Ouais. Qui est ça, je prends ? Alors. Oh nice, petit peu de thunes. Ils auraient fait Ablette, je pense que le jeu il aurait vraiment pas kiffé, genre ça serait parti en couille beaucoup trop facilement avec Ablette. Parce que ça reste des petites maps confinées et tout ça imbriqué dans des grosses maps. Donc Ablette seulement dans l'épilogue apparemment, ouais voilà. Tu la vois juste et c'est tout, c'est pas plus, c'est juste pour dire je suis présente dans les jeux. Ni plus ni moins quoi. Oh, feu. Récipient, il y a quoi dedans? Oh, nice. Ok. C'est tout, il y a que ça, là? Attends, c'est quoi la quête? Le marchand a une mission pour un sorceleur. Je peux trouver le marchand sur la digue. Ah, la journée. Ok. Ok. Hop. Voilà. Ok, c'était terrifiant. C'est l'aube, c'est 8h du mat. Peut-être ça à 10h, ça devrait être bien 10h. Vous avez pas de ralentissement ni rien sur le stream? Vous, c'est smooth as fuck, comme on dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, répondez-moi. Non, aucun. Okay. Non d'accord, non, ça me fait vraiment, c'est vraiment bizarre. Même samedi, il y avait, ça m'avait, j'ai peut-être pas remarqué. C'est bizarre que j'ai autant de fluctuations dans mes KBPS, enfin KBS, KBS plutôt. Pêcheur, batelier. Oh putain, c'est tellement calme. J'ai tellement envie de rester ici. Attends, il y a un marchand. Rien de personnel. Le Varden m'a conseillé de revendre mes parts. Est-ce que c'est un nom de code pour dire que t'allais chier, funéral? Je répète, j'ai sorti la tartiflette du four. J'ai sorti la tartiflette du four. Elle est parfaite. Et tu sais quoi? J'ai mangé il y a même pas une heure. J'ai déjà faim. J'ai encore la dalle. Des tarifs avantageux pour le transport. Enfin, je pourrais taper un petit croc dans la tartiflette, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est plus. Non, il n'y a pas de second sens, je juste taper un cron d'entrée, tu fais l'être. Tu fais gratiner comme il faut, le fromage est tendu partout entre les patates. Oh. Mais funéraire, il n'est que 21h12. Ne parle pas de trucs aussi sexuels ici, s'il te plaît. On est sur un chat chrétien. Non, mais oh. Je t'avais un petit cron d'enfilé. Ouais, oh. Il n'est que 21h. Attention. Où allez-vous? Mon bac fait la navette entre Vizima et les marais. Plus tard. Ouais, je vais sauvegarder. J'ai dit, je vais sauvegarder. Je vais aller dans les marais, on va voir. Parce que, en gros, là, juste avant de lui reparler, juste faire un petit check-in. Ça, tout ça, là, c'est vraiment. Tout ça, c'est juste récupérer des trucs. Point. Le marchand confirme une mission. Mais c'est pas lui le marchand, en fait.
Ah oui. Je te le fais pas dire, 2020, c'est chaud. C'est dur la vie de soldat. Ah. Ouais. Faire ce que t'as. Des babioles. C'est quoi ça? Des rebais? Des rebais? Je peux lui vendre ça? Ah non, non, ça je peux lui vendre. Poussière de diamant, non. Ah putain, mais je peux rien lui vendre. Des rebais. T'as pas de l'alcool pur? Ah si. 30? Bon, ça c'est pas cher. Hop, comme ça je pourrais faire des potions. Et c'est tout. Putain, c'est pas cher, Saphir à Ruby, dis donc. 80 pièces d'or. Mais c'est pas pour ça que je t'ai interrompu. C'est Spider le gay qui aime ça. Se faire croquer? Ah, dégueu. ça me fume. Depuis samedi, c'est fini. C'est Spider, oui. il est plus connu comme étant le gueulard. Il est connu pour étant le PD. Ça peut m'intéresser. Et c'est un sacré glowdown. L'air des marais est vital pour moi. Ces créatures me font subir de lourdes. Je regarderai après le stream. À quoi ressemblent ces bêtes? Tu l'as envoyé sur la bouffe finale? Un Chanel bouffe. Marchandises et tue mes hommes. 400 orins à qui m'en débarrasse. Ouais, bonjour, je regarderai après. Ce sont des noyeurs, ils sortent la nuit. Moi, c'est un bug. Moi, ma pointe. De faire affaire avec vous. Je sais. Discutons un peu. Ouais. C'est tranquillement, pour la commencer, 40 de son entraînement. Mais putain, mec, ça doit tellement sentir bon. Comment vont les affaires? Vous croyez que je vends des navets? Et alors, c'est très bien le marché de navets. Au monde des affaires. Je vois. Mais après, je suis sorceleur, quoi. Des étoiles reflétées dans une mare et une nuit étoilée. J'attends des nouvelles importantes. Oui, je m'en fais moucher. Bon, bah attends, on va aller. Je vais dormir jusqu'à minuit. Non? Ah non, faut juste que c'est dans les marais aussi, ça? En même temps, dans les marais, lui, il est mentionné. D'accord, ok. Du coup, ça, c'est dans les marais. Ça, c'est Kelstein, mais du coup, j'aimerais bien voir tout ça avant d'aller le voir. Bon, ça, c'est juste Fist Fight. Ça, c'est au Poké. Alors, ça me saoule. Parce que du coup, ça veut dire que. Potentiellement, je vais perdre plein d'argent. En fait. Et ça me saoule. Bon, ça continue. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, ça, je vais parler après. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Faudra que je le voir aussi, lui. Et lui aussi. Bon, ça, je ferai ça plus tard. C'est pas trop grave. Putain. Oh, le poisseur! Oh, attends, je vais besoin de tout. Et... Hop, la digue. Ça, regarde. Puis on va aller dans les marais. Attends, peut-être faire des potions avant. Après, je vais faire une potion de vie. Ah, si tu veux. Hop, sur le matelas qui est là depuis 15 ans. Hop, alcool de Zerikania. Blizzard, c'est quoi? Réflexe, je m'en fous. Endurance, je m'en fous. Hirondelle, voilà, parfait. C'est quoi? Poussière de mort, j'en ai 12, ok. Cadavérine, j'en ai 15, ça dégage. Vinaigre de vin blanc, j'en ai 3. Il faut du rubis, du vitriol et de l'éther. Donc ça c'est... Éther, ok. Rubis, il m'en faut 2. Ouais, j'ai rien qui donne du... Oh, chier. Ah bah si! Même si je suis con. Mais en deuxième. Voilà. Ok, ça m'en fait un. Ça c'est pour annuler. Pour avoir, j'ai la quête si tu veux une soluce. Pour les broches. Les broches. Les fleurs de Chani, c'est ça? Tu parles? Les broches. I don't have the broche in my mind. Base alchimique pour les extraits oxygènes de sorceleur. Non mais dégage. Non oui, hop. Ah la mouette blanche, ça me donne plein de...
Le messager, il est proche de la salamandre. Ah ! Ouais, parce que là, le truc, c'est que... je sais que... pour les revendre, il y a un mec, mais qui est un peu plus tard dans le jeu, qui va nous les racheter bien plus cher. Et avec lui, j'ai l'impression d'avoir fait tous les trucs de dialogue. Je me suis même bourré la gueule avec, et ça avait rien changé, donc... Alors, transforme le sang en poison, non. Ah, je peux rien faire d'autre. Bah, je vais le garder, hein. Que veux-tu? J'ai pas de points de compétence. Non, j'ai rien. Bah, c'est parti. Ah, oui, putain, je viens de méditer. Ok, let's go. Attends. J'ai juste oublié un truc. C'est quoi pour sauvegarder rapidement déjà? Que je me trompe pas, que je fasse recharger rapidement. F5. Ok, F5. Attends, et F3? Déjà, hop, F5. Merde. Pousse-toi, souris. Voilà, F5. Attends, fais voir, F3, ça fait quoi? Bah, ça fait rien. Ça fait rien, tu mens. Y'a rien là. Mensonger. Mythomane. Enfin rien. Je crois que c'est... Faire un autre truc. Bah, c'est parti. Allez, on se décide. Bah oui, c'est ce que je te dis. Prêt? Oui. De clan... Ah non, mais je pouvais pas les revendre. Parce que deux clans, l'Overdance, je viens de lui parler, il vient de me filer une quête. Ah, peut-être qu'après. Ou peut-être qu'il a plusieurs quêtes du coup. Il s'est fait. On se dédouble. Attends, on va aller dans les marais. Parce que je pense que je vais bien pouvoir farm. Oula. Ah, ça a l'air... pittoresque. C'est le mot. Pittoresque. Oh là. Que c'est pas... Oh là, vue FPS. Vue FPS de monstre. Mais que se passait-il? Et lui, il pêche. Dans un marais. Il est complètement con. Oh oui, Pepo. Des vapeurs, des noyeurs et des pieds trempés. Voilà ce qui m'attend ici. Ça me va. Je pense que juste copier Colossus parce que là mon cerveau a du mal. Ah ouais, non mais tranquille. Qui êtes-vous? Un sorceleur? Tiens. Et moi qui croyais que Léo Bonnart en avait fini avec vous autres. Jamais entendu parler. Et en plus je et connais ça pas. Ça ne risque plus d'arriver. Dans notre métier, on tombe tous un jour ou l'autre sur quelqu'un de plus fort. Et étonnant. De quel métier s'agit-il? Chasseur de primes, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, justement. Qui était ce Bonnart? Ce vieux Léo était une légende vivante. D'une certaine façon, il vous ressemblait. Il tuait sans émotion. Comme on tuerait... Oui, mais entre un noyeur et un mec qui a un peu de... Grand, mince... Merde. Et des yeux... Qui a un peu de dette, bon... Un seul de ses regards suffisait à briser un homme. C'était un mage? Non. C'était un Tchad. Il y avait des sorceleurs qui avaient énervé des paysans. Leur tour de magie et leurs réflexes ne pouvaient rien contre lui. Mais il est mort? Oui. Portez-vous bien, sorceleur. Ok, c'est chelou le son de l'histoire, mais... Pour l'annonce. Enfin, vous avez les... On va dire que j'ai compris. J'attends ici. Adieu. Pas sûr qu'on a envie de se barrer. Attends, ils sont tous en vert ici. Ah, il faut que je les interroge, c'est vrai. Bon bah, petit moment dialogue. Pépé, je ne suis pas votre fils. Tu as deviné mon nom. Ils m'appellent tous Pépé dans le coin. On m'appelle le plus souvent Gérald ou Lambalafré. Moi, je te vois pas comme ça. Sans vouloir t'offenser. Je ne me sens pas. Ta gueule, Pépé. Mais je vais sûrement retourner me promener dans ces marais. Oui? Je cherche du travail.
Je me doute du genre de boulot que tu cherches. Je veux aller prier à la chapelle. Tu Let's go. Je suis trop vieux pour chasser les monstres. Enfin, qui rapporte, mais... Je pensais plutôt à un travail. Oui, ouais, rapporte. C'est bon. Je fais ce cœur de main. Je vais vous accompagner. Putain, trop bien du Skyrim. Enfin que c'est pas super long de d'avoir 220 points, hein, parce que putain... C'est par où ? C'est pour la chapelle. Bah, à pèlerinage. Hop. Attends, je parle aux autres avant. Je sais pas. Mais non, je suis avec Pépé, je peux pas leur parler. On dirait un village de briquetiers. De briquetiers. Vieux briquetiers, briquetiers. Vizima se développe, et pour ça, il faut des briques. Ok. Y'a pas un petit vendeur? Mais salut, Flavien Kusao, quoi. Comment vas-tu, mon ami? Du coup, bon, d'accord, mais pas de vendeur dans leur ville à la con. Qu'il y ait que des briquetiers. Amanum, Gual. Ok. Un voyageur. Ok, mamie, tu peux arrêter d'invoquer des trucs. Quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on? Grosse je pute. Je suis Vaska. Vieille pute. La doyenne du village. Geralt, sorceleur. La CPE du village. Pourquoi ces villageois? Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Tiens, tiens, pas. Tiens, des tirs au flanc. Quelle est la vocation des sorceleurs? Résoudre des problèmes. Tu as... Des pizzas sans faire mal. Et encore elle a deux dents mec hein. Et pourrait faire très très mal. Je vois pas qui. Mamie, tu vas te prendre une branlée. La conseillère de rattention du village. Putain. Oh la relou. Allez hop. Allez. 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 Oh là. Olé. Parti. Je te. Et voilà boum. 35 de bas de petites pièces d'or. C'est parti. En fait, elle fait la vaisselle avec tout en même temps. Bon, paire de deux. Ça va. Ah, double paire. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Non, dommage. Dommage, j'aurais pu avoir un petit brelan, mais j'ai pas eu. Mais pourquoi la relancer? Mais les cons. Ah, ça va humilier une deuxième fois. Sale pute. Je suis sûr qu'elle a trafiqué ses propres dés. Bon, voilà, c'est bon. Petit brelan de 4, ça c'est bon. Et elle a un brelan de 5. Ma vie, c'est de la merde. Allez, il me faut une paire. Non! J'ai perdu contre mamie. J'ai perdu contre... Mais non, mais voilà, elle a un père de 3. J'ai perdu contre mamie. Mon père et mon... Non, non, c'est pas fini. M'en fous de ton père et de ton père. Tu as une question? Oui, poker. Je mise tout ce que j'ai. Attends, j'ai... Attends. Est-ce que j'ai littéralement fait rien, là? C'est ça. J'ai... Vous avez rien. Vous avez littéralement rien du tout. Ok. Fils. Juste Fils là. Mais pas ouf. Je peux relancer. J'ai rien relancé. J'ai rien relancé, j'en ai marre. Bah oui, j'ai perdu la partie, j'avais rien. T'as un problème avec le jeu, y'a d'enfants pour les. Mais non, Mais j'ai pas du tout un problème avec le jeu, je vois pas ce que tu parles. Je ne suis absolument pas accro au jeu. Et voilà, regarde, double paire, mais c'est magnifique. Deux paires, une paire, je te baise là. Pardon, je m'emporte. C'est juste qu'un problème avec lui. Voilà. S'il pouvait me faire gagner un peu plus souvent. Vous avez rien, pièce d'or. Ouais, bah j'en ai 1200 quand même. Hein. Bon, j'ai quoi? Bon, c'est de la merde, j'ai fait un 3, mais... Quoi, 5? Bon, ça va une paire de 2, je l'abats.
Ok, 3. Donc une paire de 3 et c'est tout. Ouais, c'est tout. À quoi elle? Elle a de la merde. Parfait. Parfait, elle va prendre tout relancer. Peut-être en garder un. C'est parti. Ah bah c'est 7000, donc faut bien que je gagne ma vie, hein. Bon, j'ai rien fait d'autre, c'est pathétique. Et sale pute, va. Attends. Non, mais oui, mais c'est parce que bon. Bon, voilà quoi, enfin, je veux dire, il faut que je gagne. C'est normal. Voilà, bah, paire de 6, petite paire de 6. Tu peux pas la buter. Et récupérer ma thune après. Ah bah non. Ah bah si. J'ai deux paires. Un brelan. Mais attends, deux paires, c'est moins bon qu'un brelan. Pourquoi j'ai mis une mise à 50 alors? Oh la pute. Oh là. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un brelan de 4 ou de 6. Oh putain. Oh c'est beau, oh là là. Vas-y, je suis suivant. Fais un 6, je t'en supplie. Et fais tout l'inverse d'un 6. Putain. Non mais attends, j'ai pas le bon mindset là, c'est pour ça que je perds. Voilà, regarde, carré de 2. Ok, elle a un brelan, mais je m'en fous. Elle a un brelan, j'ai un carré. Mec qui gagne. 5000. Alors ça, c'est atteignable, 5000. Ah voilà, là, tu relances pas, hein, sale pute. Pardon, je m'emporte. Vieille dame. Et voilà. Et voilà, un full par les deux. Et voilà, tu peux faire n'importe quoi, je m'en bats les couilles. Bah oui, j'ai gagné la partie, c'est bien logique. Bon, maintenant. Maintenant, j'ai que de la merde. Et là, que de la merde. Nous avons que de la merde en commun. C'est beau, toi. Je vais... Attends, je sais pas si je relance tout. Je vais garder le... Non, il me manquait un 2. Attends. 1, 2, 3. Ah, putain. Donc ce que j'ai 5, 3, 4, 1, 6. Donc il me faut le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mais non. Ouais non c'est trop quoi. Non c'est trop chaud. Mec, si je relance ça et j'ai un 2, j'ai une putain de suite. Mais vas-y, j'aurai jamais un 2 mec, c'est pas possible. J'aurai jamais un 2, c'est pas possible. Je sais pas si je... Ouais mais... Je vais juste garder le 4 et je vais relancer tout ce qui est autour. Le 2 à la place du 6. Non mais je change pas de place hein. J'ai rien. Ah si, j'ai une paire de 1. C'est de la merde. Mais elle a rien non plus. Oh quel bonheur. L'argent. L'argent messieurs, l'argent. Merci, maintenant je pourrai dépenser l'argent dans les marchandises. Il t'a de l'alcool. Hop, alcool de témariage, je prends. Oui. Si, attends, je vais prendre la vodka de Téméria. Hop. Je vais prendre ça. Hop, c'est pour faire des potions, c'est pas pour boire. Et le reste, je m'en fous. Je peux lui revendre des trucs vite fait là. Non, je peux rien lui revendre. Tu ça. Bien. Voilà. Comme ça, tout rentre. Ok. Tu as... Oui. Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici. Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement... Le mot qu'on dit, là. Les alchimies. Qu'est-ce? Quoi? Merci, Vasca. Loup blanc. Il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Ok. Ok, ceux qui sont secs, je ferai attention.
Des monstres vous rendent la vie difficile ? Les fameux ceux qui sont secs ? Des créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. À quoi ressemblent-elles ? On les dirait noyées, puis ressuscitées. Je crois saucisson. Sans doute des Attends, noyeurs. Il s'est fait agresser par du saucifleur ? Comment il a perdu ? Je n'ai guère que 50 orins à t'offrir. Non, les lézards de feu, c'est la salamandre, Hadès. Espèce d'immense gogole. Je viens de t'arnaquer de 300... Enfin, de t'arnaquer. Je viens de gagner 300 balles, donc je pense que 50, je peux me permettre. Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route. De quoi... Pourquoi je devrais aller chez Kader ? Gérald qui dure de la feuille, mec. Oh, ça me buterait. Qu'est-ce que vous faites ici ? Avec l'argile, nous façonnons des briques avant de les cuire. Ah, c'est un bac à briques ? Non. Si la ville exige toujours plus de briques, c'est rentable. Les transporteurs et les marchands accaparent nos bénéfices. Et si vous déménagiez ? Jamais. Les briques. Ah, ma maison, ma vie ! Comme vous voulez. Tu as une question ? Ma maison depuis que je suis bébé. Ah, c'est comme ça me fait penser au mec. Adieu. Dans les, c'est surtout aux États-Unis, je crois, dans la ville où il fait très très chaud. Non, c'est dans une ville minière qui a la mine, elle a explosé parce qu'elle est remplie de gaz, je crois. Et du coup, la ville est inhabitable parce que bah des fois ça explose random. Et qu'en plus il fait giga chaud pour de vrai. Et y a des gens qui refusent de partir parce que ouais, c'est ma maison de peur à toujours. Je ne la quitterai point. Monde d'autiste. Silent Hill. Non, Silent Hill, il fait un peu de brume. Je suis sûr, Silent Hill, il fait bon, genre 20 degrés, tu vois. Un petit 20 degrés, brumeux, légère soufflette. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Obélisque. Obélisque ? Obélix. L'obélisque est très ancien. Dommage que je ne sache pas lire ces runes. Mais monsieur le chien ! Papa, papa ! Mais pourquoi tu me tuais ? Mais mec ! Ah, c'est peut-être son chien, pépé. J'ai encore faim. Oui, bah, qu'est-ce que ça me fout ? Ah ! Donc là, ça peut pas passer. Et quoi là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça suffit ! C'est quoi là derrière, là, les bulldozers ? Je les ai jamais vus ! Merde. Oh merde. Ah mais c'est quoi ça ? Ah mais c'est dégueu ! Mais non ! Mais non le pipou ! Oh non, je suis désolé ! Non, il t'a explosé dessus ! Non ! Non, elle est où ma dernière sauvegarde ? Non, c'était à la digue ! Non, aujourd'hui sauvegarder ! Non, le pipou ! Oh non ! J'ai envie de pleurer ! Ça suffit ! Bon allez, je vais fumer tout le monde, voilà, dégage. Assassin ! Mais c'est à cause du Black Box Zigger là ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute ! Moi je ne lui voulais que le bien du monde ! Non, Pépé, ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais assez, Pépé. Il faut venger Pipou. Et je vengerai Pipou. Je ne m'arrêterai pas. Jusqu'à la mort, je combattrai. Pépé, aide-moi, prends un glaive. La mort n'est peut-être pas loin, mais j'ai vaincu.
J'ai vengé Pipou. Maintenant, faut que je trouve tous les cadavres. Ça va être moins marrant. Ah putain, ça repauvre en plus. Mais de toute façon, c'est par là, non ? Ça suffit. Hop. Allez, papy. Y'a pas le choix, faut se mouiller, là. Maintenant, j'ai pas besoin de noyeur. Al ghoul, chien, ghoul, loup, noyadé. Ah si. Ah dis, 10 langues, si, des langues quand même que je dois récupérer, ok. Donc c'est bon, ça sert. Bon par contre pas ouf hein. Qui est con quand on construit une église dans un marais, mais je sais pas. Oh là, il y a du monde là, par contre, il y a du monde. Je vais prendre du heal direct. Bah il est où mon heal? Where is my heal? J'ai fait une hirondelle. Là. Hop. Voilà, hop, un en moins, ça c'est gratuit. Petit prélèvement. Putain, ils ont l'air... Je vais dire, ils ont l'air un peu plus vénères, mais je viens de leur niquer leur race. C'était... rapide. Il n'y a pas une seule langue. Bon bah je vais farmer jusqu'à temps d'avoir les langues hein. Pépé il court, il s'amuse, il fait son petit jogging. Hop, ok. Putain mais y'a pas une seule langue. Mais vous faites chier avec vos cerveaux là. Adwim, t'es là. Adwim répond. Je peux toujours rien donner. J'ai des langues. Putain, j'ai que 2 langues sur 10. Quoi qui fait ce bruit là? Y'a un singe? Singe dans les marais? Mais tout le monde veut le verdict de la tartiflette funérale. En vrai, je crois qu'il y a un autre chemin. Il doit y avoir un autre chemin vers l'église, mais c'est juste que je voulais dans les marais. Même Clémence en fait pas aussi bonne. Tu serais donc le maestro de la tartiflette. Ah, une langue. Nice. Ah, une autre langue. Nice. Je veux que tu me cuisines une tartiflette. Cuis-moi une tartiflette comme le funéral le ferait. Cuisine-moi comme l'une de tes françaises. Ah ça c'est quoi cette merde? Ça suffit. Oui là pour le coup ça suffit là. Non pas le bon, pas le bon, celui-là ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mec c'est horrible. Mais elle m'encule. Mais c'est quoi ce bordel, je prends trop cher. Mange une petite baie. Comme si c'était la dernière tartiflette. Cuisine-moi comme si c'était la dernière patate que tu avais pelée. Ouais, c'est la merde, mon ami. Il faut manger des légumes là pour avoir de la vie. Parce que elle en perd pas beaucoup de la vie. Patate dégoulinée de frometon. Une petite goutteille mélangée au jus de lardon, ça rendait trop bien. Oh putain. Si un truc que j'aime bien, c'est foutre de l'ail. Enfin, genre pas en morceaux, parce que manger de l'ail, bon, voilà. Mais en... de l'ail découpé et séché. Rajouter ça à tes repas, ben c'est délicieux. C'est quoi ça? Cocaxidium.
Mais je vais même pas pouvoir la loot. Putain, mais tiens-tu, ta pute. Mais je prends vraiment trop cher, c'est pas possible. Non, 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 j'aurais dû sauvegarder. Putain, j'ai mis que midlife. Oh non, non, c'était il y a trop longtemps. Non, je suis une merde. Oh, je suis une merde. Oh putain, je suis une merde. It's a speedrun time. Oh, je me fais chier. Oh, je vais devoir regagner contre mamie. Oh putain! Oh, je suis trop con! Oh mais non, j'ai envie de m'ouvrir les veines, de la remplacer par de la tartiflette. Oh putain, fais chier. Mais vas-y, j'ai changé de continent, il y a même pas eu de sauvegarde auto, pousse-toi toi. Ah, j'ai explosé la quête. Bon, il est où le passeur? Ah non. Ouais. Comment vous Ouais. Adieu. Mais vas-y, j'ai changé de zone. Normalement, ils sont censés avoir une sauvegarde automatique. J'ai soif. C'est que pourquoi il n'y en a pas eu? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y en a pas eu? Amenez-moi. Allez. Oui, je suis prêt. Mmh. Putain. Bon, on va speedrun. C'est pas grave. Et puis on va speedrun et sauver vous. Des vapeurs, monsieur, des noyeurs et des pieds trempés. Voilà ce qui m'attend ici. Hop. Qui est cette nazi? Ouais. Mais vas-y, il se ramène direct en plus, le pipou, regarde. Adieu. Mais oui, je suis curieux pour... Moi non, mais je suis gentil. Bah oui. Moi non, faut pas cru. Bon, du coup, je vais sauvegarder. Voilà. Voilà. Je vais sauvegarder tout à l'heure, mais j'ai pas pu. Oui, bon, bah, Pépé, vas-y, suis-moi. Eh, on m'a... Je ne... Je... Je pense... On dirait un village de briquetiers. Hop, voilà. Non, c'est où la quête de papy? Pèlerinage. Voilà. Hop. Bon, du coup, faut que je refasse juste le dialogue avec mémé. Quel je ne ferai. Un sorcier. Merde. Hop. Démon. On est coulé sans nous. Ça fera. Enfin, je peux passer. Qu'est-ce que... Non, ici, je peux vous... Juste que je refasse les dés. Quand même. Mais essayer de me dépêcher et de gagner ça vite. Ok, pour l'instant, on est bon. Un petit peu de thunes, quand même. Et après, j'irai prendre le passage qui est un peu plus safe. Et racheter l'alcool, ouais, aussi. Je m'en veux. Je suis désolé. Pff, oh, je l'ai enculé. Je l'ai enculé, mamie, là. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. Voilà, le jeu, il a compris. Bon, je suis 65 balles. En même temps, c'est ce que j'avais perdu. Non, je vais pas rejouer, j'ai gagné, ça suffit. C'est ce que j'avais perdu que j'ai récupéré tout à l'heure aussi, c'est normal. Non, bah. Non, je rentre ça quand même. Et ça. Je vais m'acheter ça.
Ok. Non, c'est par là, ce sera un peu plus facile. Hop, d'ailleurs, voilà. Mais non. Ça suffit. J'ai pas pipou, hein. Faut pas tuer pipou, hein. Voilà. Hop. Et hop. Ah. Oh putain. Mais tu veux pas rester là, pipou ? Oh putain. Papa, secours ! Ça suffit ! Au secours ! Allez ! Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Mais non, tu m'esquives pas, non mais oh. Chacal. Mais il fuit. Bon, il fuit. Hop, toi t'es mort. Ça suffit. C'est vrai que je prends quand même cher là, hein. Juste contre des pauvres noyeurs. C'est bon. C'est bon. Les puits d'argile. C'est là que s'est taré ces chines. Ils m'ont l'air normaux. Les briquetiers donnent le change. Non mais tu le crois qu'ils vénèrent des hommes de poissons? Les gens croient souvent aux choses extravagantes. Vous ici? Quand même. Un reptile poisseux avec des yeux globuleux. Ces Vodianoi parlent même pas l'humain. Pour leur causer, il faut des objets. Ah oui? Comment ça? Ah mais c'est vraiment ça en fait. Les humains laissent des trucs sur des hôtels spéciaux. Ah mais c'est vraiment ça. Chaque objet est un symbole. On le déchiffre comme une intention. Les Vodianoi répondent de la même façon. Si tu mets du caca, ça fait quoi? Mais quel genre d'objet? Je sais pas et je m'en fous. Les briquetiers refusent d'en parler. Oh, c'est tellement... C'est tellement la l'esprit de la mégaforge. Oh, je sais pas et je m'en bats les couilles. Petit garçon. Les seigneurs arrivent. Dégage. Qui trône au-dessus des seigneurs? Qu'est-ce que tu racontes? Les seigneurs arrivent! Dégage! Je tomberai face contre terre. Les seigneurs approchent comme la marée montante. Hé! Hey. Ils se lèvent hey. Comme des rois vers leur trône. Tu veux te faire rosser? Je les appelle depuis les profondeurs. Venez! Oh, c'est vraiment cool! Diable. Car je vous le demande. Qui trône au-dessus des seigneurs? Mon pied dans ta gueule! T'en es d'accord? Hé! Tu veux okay. Que je... Bon. Les restes, ils sont où les noyers? La viande, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ok. Tout le monde devient putain de fou. Je note. Ça suffit! Mon pipou va bien, il me regarde toujours. Non mais par contre, faut arrêter de me... Oh, il y en a plein là. Ça suffit. Hop. Ça suffit. Ta gueule, pépé. Fais un truc. Ça me prend, bon, je l'ai fait pour rien, mais ça me prend plus trop de merde. Je peux ranger, s'il te plaît. Voilà, ça me prend plus trop de mana de d'utiliser mes pouvoirs. C'est cool, ça. J'ai encore faim. Mais il est complètement fou. Attends, il y a que lui qui avait des restes là. T'es sérieux? Ah, je suis enfermé. Très bien. Très bien. Pousse-toi. Pousse-toi. Attends, c'est quoi ça? Attends, je vais voir les cadavres. Puis après, j'arrive à voir. Ah putain.
Cadavre mutilé. C'était quoi ça? Élixir inconnu. J'éclipse le dégage. Nice. Merci, merci mec. Ah mais ça va être rigolo. Bon, la dernière fois que j'ai bu un élixir inconnu, j'ai mouru. C'était pas marrant. Ce corps était succédé par des monstres, mais c'est manifestement un glaive qui lui a porté le coup fatal et un bien affûté. On récupère ceci. Bon, pied de sauvegarde. Santé! N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ah mais honnêtement, la vision... Honnêtement, la vision... Permet de voir les êtres invisibles. Permet de voir les êtres invisibles! Permet de voir à travers les murs! Nigga shit wild! Oh! Je vois le futur! Et le présent! C'est quoi si je lui donne un bout de raisin? Non. Mec, la vision Predator elle est trop bien. Attends, je vais peut-être recharger du coup pour la garder pour plus tard. Parce que du coup, elle est, je sais pas comment la faire. Et elle m'a l'air bien, bien lourde à utiliser. Et j'ai pas envie de voir une heure en tant que Predator là maintenant tout de suite. Salut, Langeriomar. Je confondu avec un I. Du coup, je savais pas quoi dire. Ça va ou quoi, mec? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Est-ce que, sans spoiler, quelqu'un peut me dire si dans mon inventaire, j'ai un objet à mettre dedans qui est utile? Ou alors, c'est un autre truc que j'ai pas encore. Salut toi, boss. Ça a pépère, hein. On commence la semaine doucement. Parce que je sais pas quoi mettre, du coup. Ah non, mais c'est un coffre, je suis con. Hôtel. Quoi? Ah bah non, c'est ce qui s'appelle le coffre. C'est un hôtel vaudéianois. Et j'ai aucune idée de quoi foutre dedans, en fait. Et je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Du coup, si ça sert à quelque chose et c'est un objet important, bon bah j'aurai plus tard, hein. Mais si c'est un objet que j'ai en terre et que je trouve pas, parce que bon, il y a un truc relié à l'eau, mais là, je peux juste lui foutre de la flotte, quoi. Genre. Tiens, dieu des mers, je te donne ma cristalline. Mais qu'est-ce que je vais faire avec, con? Je sais pas. Vas-y, on va aller à la... À la prière. Attends, oui, bah ça, c'est pas perdu, de toute façon. Ah non. Oh, pas toi. Mais non, mais elle a fumé le chien. Mais elle va me fumer moi aussi. Mais c'est pas juste! Il a 4 seins. De qui a 4 nibards? Mais voilà, mais ça c'est trop fort ça. Ça c'est beaucoup trop fort. Et c'est vraiment dégueu par contre. On dirait. Je sais pas, on dirait un monstre qui sort de. De je sais pas quoi, on dirait un espèce de croisement entre Annihilation et Resident Evil. Et j'aime pas beaucoup. Ah, le coffre, mais c'est pas des seins. Non, c'est pas des nibars, c'est. Je sais pas. Ah, peut-être que. Bah, non. Mais. C'est pas humain en fait. C'est pas Attends, alors quand tu mets un objet où ça disparaît et où c'est replanté au hasard par des ingrédients alchimiques. C'est-à-dire un objet, genre si je mets disons. Si, mais oui mais. Si j'en mets un, je fais ça. Non, c'est genre une myrtille. Pardon, ceci pas un guilde, d'accord, ok.
Parce que quand tu dis objet, non pas journal. Quand tu dis objet, j'ai vu que c'est des trucs comme ça, non? Genre une pierre aiguisée et tout, non? Attends, je vais peut-être mettre la poudre noire, ça peut m'obtenir des trucs. C'est pas. Je vais en laisser une. Voilà, on verra bien. Attention, on n'utilise pas encore les poudres noires, je sais pas si j'ai utilisé les bombes. Oh, une crapaud. Mais pourquoi tu me suis? Pipou, c'est dangereux. Du coup, les plans de la minéraux et quelques autres objets sont acceptés, pas affectés. En offrande, chaque offrande acceptée est remplacée par un objet différent après minuit. Et le fils sec. Oh, bah je vais mettre mon fils sec et je reviendrai après minuit. Et quelle heure là? Il est 13h. Est-ce que le fils sec peut leur vendre? M'en fous. Bah du coup, je vais tout foutre. Merde. Je peux tout mettre, hein. Voilà, et le fils sec, et je reviendrai à minuit. J'ai encore. Je viens de commencer les The Witcher, j'ai commencé par le 3, ça passe. Oui, complètement. Complètement, ça passe. Attends, je me gratte. J'ai fait pareil, hein. L'Angeriomar. J'ai fait exactement pareil. J'ai commencé par le 3 il y a. Oh là là, il y a encore des années. Là, je fais le 1 parce que, à cause de la série, qui justement reprend le 1. L'entrée d'une grotte. Le premier bouquin est. Non, je me casse. Tue pas mon chien. C'est quoi? Oh, vous me saoulez tous, hein. En tant que ces noyeurs, je vais me les faire. Ça suffit! Et oui, non, tu peux les faire. Ça suffit! Après, t'auras juste un petit peu moins de lore au niveau des persos, tu vois. Ça suffit! Oh, il y en a beaucoup là. Non! Tu laisses mon chien tranquille! Ça suffit! Putain, quel bâtard! Et t'as plusieurs. Ouais, bah j'imagine, s'il y a une quête reliée, il va pas en avoir qu'un. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, du coup, en commençant par le 3, t'auras juste un petit peu moins de lore, enfin de connaissances au niveau des persos. Mais mis à part ça, tu peux y aller franco, hein. Tu peux taper dedans, comme on dit. Ah oui, c'est le sauvetage d'ouvreur français, c'est le clutch. C'est le clutch qui sauva son pipou d'une mort dégueulasse d'ailleurs, de se faire taper par un noyeur de flemme. Et il est posé lui, hein. Hey man. Eh man, eh ça va là, Babylone ou pas? Bon, il n'y en a pas d'autres à côté. Hop, je viens de langue. Un petit marché. Puis comme si vous voulez commencer The Witcher, commencez par le 3. Ouais. Enfin, Non mais je dis ça, mais après moi j'ai 300 heures sur le 3, donc bon, c'est pour ça que je préfère le 1, mais... Ah, au niveau du gameplay, je sais pas. Pipou, tu l'as donné ce nom. Ah non, c'est comme ça qu'on appelle les chiens ici. Lady Pipou. Oui, Pipou. Ah, je sais pas, le 2 il est un petit peu plus chiant quand même, je trouve. Je parle toujours pas les runes. Dommage que je ne sache pas lire ces runes. Ah! Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Donc ça sert à ça. Ok. Guy. Ah, la broche fendue. Guy. Ah mais c'est... Je m'en fous, j'ai tout eu en fait. Trois femmes. Ça me rappelle quelque chose. Il y a... Oui, le deux passe encore, mais pas bon. Fils. C'est pas vraiment le mieux pour commencer. Si tu veux. Mais après, quand t'es pas un gros zoomer, c'est pas contre toi, hein, l'Endurovar. quand t'es pas un gros zoomer, franchement, je sais pas. Quand t'as l'esprit ouvert, je sais pas, commence par le 1, c'est peut-être un peu mieux, je trouve. Parce que le gameplay du 3, bon.
enfin que le scénar il est vraiment là derrière, parce que le gameplay du 3 il m'a un peu cassé les burnes, hein. Pas te mentir, tourner sur moi-même et spam, c'était vraiment pas ouf. J'en ai mangé 300 heures et j'ai aimé, hein. Mais c'était pas ouf. Un autre sorceleur, vous pourriez me parler de lui? Sauf pour Mass Effect. Mass Effect 2 est très bien, il vaut pas Mass Effect 1, et Mass Effect 3, je l'encule. Il devrait encore être dans les parages. À partir de là... Il passait presque tout son temps près des puits. Ah, je comprends que tu dises que Mass Effect 2, c'est celui où t'es le plus de mal. Parce que c'est celui qui est le plus, le plus froid, le plus terre à terre. Non, elle est 5 éléments. Bonsoir. Oui, non, mais Andromeda. D'accord. Mais tu veux pas me lâcher? Mais oui, mais je sais, t'es gentil, mais. Mais c'est la hesse ici, là. En plus, t'as pris un petit coup. Pourquoi il me suit? Il va se faire fumer. Est-ce que son futur c'est de mourir, c'est ça? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas une échappatoire. C'est de la mort ou rien. C'est ça. C'est ça que t'es en train de me dire. Bon, j'ai Odd, Malku et Bina. Et c'est tout. Andromeda, je l'ai même pas fini, mec. Il m'a cassé les couilles. Non. Non! Mais. Bon, j'ai pas le choix. Bon, là, il restera mort. Hein. Je suis triste, mais. Je peux rien y faire. Bon, du coup. Ah, bah, vas-y, hop, faire ça. Tout à fait d'accord. Ouais, non. J'étais arrivé loin quand même, hein, tu vois, mais vas-y. Oh là là. Ah, mais ah, si, il y a une grotte là. Attends. Hop, toi tu vas prendre cher. Et voilà, le feu fait son office. Quel bonheur. Je peux récupérer? Hop. Petit sport, des pieux. Entrée de la grotte. Est-ce que j'ai envie d'aller la visiter maintenant, la grotte? J'ai rien trouvé sur ce compte chien. Mais non, mais il me suit juste! J'ai save. J'ai F5. C'est quoi? Oh, des loups! Nice! Il me faut de la peau de loup. Attends, par contre, prendre celle-là. C'est quoi la fin d'Ormana niveau scénario? On redonne un peu d'espoir, surtout pour un éventuel 2. Ah ouais, non, mais je sais, bah. C'est même pas pour un éventuel 2, enfin. Enfin, si, enfin. À l'heure actuelle, c'est éventuel, mais dans le passé, c'était clairement 2 et 3. Andromeda 1, 2 et 3, quoi. Le bien c'est que les cariens sont pas là. Ouais, mais y a pas que les cariens qui sont pas là, je crois. Hein. Y en a plein d'autres qui sont pas là. Je crois. Non? Ou y a que les cariens? Mais bon, vu que Maifu c'était. Tali. À partir de là, et qu'ils aillent tous se faire enculer. Voilà, ils ont pas mis mes Space Gitans, je lui dis, ils vont faire foutre. Moi je voulais la revoir. Moi je voulais voir du carien. Ah, y a que eux. Ouais, bah qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, moi je suis FC Tali. Et j'emmerde les restes. Ok, c'est terrifiant, mais c'est pas grave. Justement, à la fin, on dit que les carriens arrivent. Non, jure! Oh! Bah, tu m'étonnes que. Enfin, tu m'étonnes qu'ils les ont rajoutés parce que. Mec, t'as vu comment ça a gueulé quand ils ont dit qu'ils étaient pas là? Alors oui. Alors ça peut être super pratique la torche. Alors non. Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de suite Andromeda, mec. Avec le fiasco que c'était. Pas tout de suite. Déjà que BioWare ils sont littéralement en train de mourir et c'est tant mieux. Non, je... Voilà. Enfin, et en train de mourir, c'est gentil encore. Hein. Et ça tiendrait qu'à moi, ce serait balle dans la nuque instantanément. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fantôme?
Ok. Il fait mal ou pas? Ouais, mais ça va, c'est négociable quoi. Bon, bah d'accord. On a gueulé un peu parce qu'on pensait que ça deviendrait en DLC et non juste rien. Non, oui, bah oui, mec, mais. Oh là là. Oh, d'accord. Ok, nouvelle pierre. Et oui, je veux pas. C'est probablement la fin de BioWare et de Mass Effect et de toutes les autres IP qu'ils ont. IP qu'ils ont. Ah, j'espère vraiment que. Oh! Oh, nice! J'espère vraiment qu'ils vont mourir. BioWare, ils méritent de mourir en fait. C'est pas méchant, hein, c'est vraiment. Ils méritent. Là où ils en sont, ils sont au bord de la mort déjà et ils méritent. Ah ouais, je suis un énorme. Mais c'est même pas. C'est pas être méchant, c'est. Comment dire ? C'est de la pitié. Oui, non, mais je le dis pas de leur mettre à la rue, hein. Juste de créer un autre studio et surtout de se détacher de. En fait, le truc, c'est. Enfin, oui, je suis un connard aussi, non, clairement. Non, c'est. C'est se détacher d'IA, tu vois. Qu'il faut qu'ils fassent. Sauf que ils peuvent pas se détacher de IA comme ça. Oui, c'est IA. Ah, bah, d'ailleurs, c'est IA. Ils peuvent pas se détacher de IA comme ça, tu vois. C'est pas possible. C'est trop tard, c'est fini, tu vois. Donc, oui, il faut arrêter le studio. Il faut que les mecs de BioWare, ils en créent un nouveau. Un nouveau studio et qui reprennent. Enfin, faut qu'ils se détachent d'IA, quoi. C'est le diable, c'est Satan. Alors, oui, ça donne du pain à manger. Certes. J'obtempère. Mais le pain, il est pas bon. Après, tu me diras, tous les cracks de BioWare, ils sont déjà partis, mais. C'est plus dans ce sens-là, Adwim. C'est plus de la pitié envers le studio, parce que c'était quand même. J'étais fan, moi, de BioWare à l'époque, hein. C'était vraiment un bon gros studio. C'était cool, tu vois, d'avoir des jeux de leur part. Mais avec ce que c'est devenu, enfin, ça devient triste, quoi. Ah ouais, bah, à cause d'Andromeda, ouais, bah, ça m'étonne pas. Ça a quand même été un gigantesque four, hein. Ah non, mais IA, c'est... Ah, bah, Quen, dis donc. Nice. IA, c'est vraiment le diable, hein. Le pain d'acier. Ah, j'ai pas changé. Merde. Hop. Et voilà. Un nouveau signe. Magnifique. Oui, non, mais c'est bon, j'ai... Ah, c'est peut-être un peu méchant, mais c'est la réalité, quoi. Ouais, plus que deux, si je sais bien. Et ça, à n'importe quel studio qui serait dans le même cas que BioWare maintenant, hein. Mon avis, c'est pas parce que c'est BioWare, hein. C'est juste parce que n'importe quel studio qui est dans cette situation-là à cause d'un autre studio, du coup. Ouais. Oui, bah oui, on peut considérer comme un studio, du coup. C'est comme... merde. Qui c'est qui fait Destiny? C'est comme les mecs de Destiny qui ont réussi à s'affranchir d'Activision. Voilà, Bungie. C'est Bungie, ils couraient à leur perte avec toute la merde qu'Activision leur foutait sur le cul. Et bah maintenant ils ont dit fuck et puis c'est beaucoup mieux, quoi. Merde. Je dis pas à tout le monde, enfin je dis pas de retourner en indie, tu vois, et tu c'est juste de se séparer du cancer, quoi.
Est-ce que ça fait de moi un énorme connard? Peut-être. Peut-être, et j'accepte. Oui. Oui, j'accepte. J'ai combien? 10 pots de loup, parfait. Ce qu'il me fallait. Ok, des brassines. Mais oui, c'est... Oui, voilà, tais-toi, loulou. Oh. Putain, ça m'a fait de la gerbe de sang. Moyen quoi, là-bas? J'aime pas, il y a du gaz de prout. Que se passe-t-il avec ce gaz de prout? Bon, c'est vraiment pour une quête. Bon, je suis peut-être venu là, ici, un peu tôt. Non? Oh, c'est trop bien! Oh, c'est craqué! Oh, c'est craqué de ouf, mec! Oh! Oh merde! Mais attends, comment ça marche? C'est l'impression qu'il absorbe tous les dégâts physiques pendant quelques instants, connecté. Mais mec, c'est craqué! Putain, je peux me déplacer avec, c'est n'importe quoi! Mais non, j'ai toujours amélioré? Bah non, amélioré au niveau 1. C'est tout? Ah, par rapport à toi, ouais, c'est craqué. C'est trop bien, mais... Pouvoir te déplacer... Enfin, du coup, ça tu te crées des frames d'invincibilité, c'est trop bien. Parce que dans le train, du coup, tu peux pas bouger. Même si tu peux tanker. Oh, c'est génial. Non, mais c'est bon, les loups. Non, mais je me casse. Faudra que je revienne plus tard, donc je me casse. GG généreux. Bisous. Non, pas bisous, gifle. Putain, mais aussi, il est gaz de prout. Ouais, tu peux... Oui, bah, tu te focus, quoi. T'es concentré. Je vais aller reparler à mamie. Mais là, c'est... Il s'en bat les couilles, hein. Quelle heure? 17h, ok. Normalement, ils sont pas rapparus, les noyeurs. Non, ok. Ces trous boueux doivent être des puits d'argile. M'en fous. Ok, mamie, j'ai file-moi de la thune. C'est nul ce jeu. Hop. À devoir les autres signes. Bah ouais, ouais, carrément. Hop. Attends, mais elle aussi, elle a une... Oh là là. Une question. J'ai tué les noyeurs. J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous. Et pourtant, je vous ai trompé. Je vais te goumer. Je n'ai pas d'argent. Mais vous ne partirez pas... Je vais te goumer. Prenez cet ami. Ah, bon, ça va. C'est Ezed, le symbole de la pitié. Non, mais c'est bon, c'est un truc important. Béni. Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Ok, je vais te goûter. Quels sont ces seigneurs? Nous les vénérons et recevons la grâce des êtres issus de la profondeur éternelle. Mm-hmm. Ça évoque les hommes-poissons, les Vodianoï. Comment oses-tu? Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Priez et vous serez grand. Pourquoi il y a 5 briquetiers qui arrivent là? Le monde sera vôtre. Bah, mamie, tu vas prendre cher? Coquine! Ah non, mais c'est vraiment Cthulhu! Les seigneurs! Ou alors, non, c'est peut-être pas une ref à Cthulhu. C'est peut-être une ref. Plus chrétienne. C'est peut-être une ref au satanisme. Avec des seigneurs qui arrivent par les mers. Par la mer. Discutons d'un travail éventuel. Il faut nous aider.
Un de nos enfants a disparu. Le garçon est toujours... Même si je préférais que Toulouse quand même. Peut-être les créatures aquatiques l'ont-elles dévoré. Blasphème. Oh, le gros plan, j'étais pas prêt. Oh, mes yeux. Je suis aveugle. Je crois que j'ai perdu le côté droit. C'est bon. Je vais chercher l'enfant. Priez et vous serez grandi. Bah alors, j'ai bien prié et j'ai pas bien grandi. Hein. Non, faut vous pousser par contre. Je vais chercher ça, le gamin. Poussez-vous. Pardon. Poussez-vous, écartez-moi. Ne me tue, me suis pas. Hein. Me suis pas. Ok. Ah non. Ah mais ils sont revenus. Ah mais le gamin lui il est pas là. Ah putain fais chier. Oh c'est loin. Oh c'est loin. Je vais dire heureux moi. Bon je vais regarder. Elle leur dit bah va te faire enculer. Ok. C'est gratuit ça. Bah casse-toi. Merci d'être passé. Ah, je pourrais faire ça. Vas-y, je vais faire ça. Nuliadar, bisous. Oui, bisous. Bisous, sinon je te goume. Des bûcherons sournois et sans scrupules vivent par ici. Bisous, sinon je stream 10 heures un mec qui hurle. C'est-à-dire Spider quand il dort. Est-ce que t'as envie de voir 10 heures de Spider quand il dort? Je crois pas, non. Bon. Rien à faire. Non, plein t'as connu. Hmm. Il faut, je suis gentil. Soyez gentil. J'en ai marre, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est que là-bas. Putain, arbre à la con, arbre... Ah là là. Non, faut que je revienne sur la côte. Monsieur cherche un bateau. Malin. D'accord, mais attends, je suis dans les marais là. Bon bah, c'est pas les bons marais, c'est ça? Ah, Jean-Pierre, non, Jean-Pierre, tombe pas. C'est pour. Je viens enfin. 10 pots de loup. Fantastique. Le titre de chef des chasses royales est à moi. Et sinon, je deviendrai mercenaire. La thune. Ah. Adieu. La thune. Ah, la thune. Tout ce que je voulais, moi. Donc ça, c'est fait. Bon, ça, j'ai pas encore. 105 goules, j'ai pas. 10 langues, je dois pas en être loin. J'ai combien de langues? 3. Ok, j'en suis gigantesquement loin. Ça, je sais pas encore. Ça, c'est loin. Ben, je vais pioncer. Mamie, je peux pioncer chez mamie. C'était quoi ça? Il y a pas de feu dehors, non? Ouais, non, pas de feu dehors. Pioncer chez mamie, pousse-toi, toi. Il y a des elfes dans le coin. J'ai peur qu'il prépare un coup tordu. Oui, putain, non mais pousse-toi par contre, je t'en supplie. Mais mec, y'a combien de personnes chez mamie? Elle prend tout ça? Hop, dodo. Minuit. Voilà. Priez, c'était quoi ça? Vous serez grandi. On va aller récupérer les offrandes là. Une belle tête de cochon. Non, sanglier. Belle tête de sanglier. Absolument horrible. Est-ce qu'elle s'est levée? Est-ce qu'elle s'est levée et elle s'est rendormie instantanément? Ok, je sors. Et plus jamais je rentre. Oh là là, c'était terrifiant. Ou je crois que je deviens fou. Non, c'est pas là.
Ça fait peur la nuit. Ça fait peur la nuit. Pour les monstres, voilà, hop. Il faut quand même masse de dégâts. Hein. Merde, hop, voilà. Merde. Hop, de toute façon, hop. Alors, j'espère qu'il va y avoir plein de langues là. C'est bon, c'est tout. Ok, non. Et pas de reste. Mais non, mais ils ont que de la merde. Ah. Je vais te mettre là si, pour voir si ça pop, mais non. Bon, bah. Voilà, hop. Ah, c'est tout. C'est bon, tu peux ranger. C'est quelle touche? Ah, c'est... Ah, c'était Tab. D'accord. Bah de quoi, c'est quoi la quête? C'est quoi la quête maintenant? Ah d'accord, ok, juste... Donc ça c'est bon, ça sera plus tard. Alors ensuite... Non, m'en fous. C'est comment le seulement? Non, je m'en fous. Non. Non. Non plus, ça c'est suspect. Non, bon, bah, ouais, ça va être galère. Attends, mais ça, je comprends pas, ça. Non, non, c'est vrai, je 5 bouquets de Kelidwen. Je peux plus le refuser, je dois me rendre dans les marais. Mais attends, mais... Ah, mais non, mais d'accord. Okay. Non, mais c'est ma faute. Je pensais qu'il sera indiqué, c'est pour ça que je disais, mais... Jules, il est con, il me demande de retourner avant. Mais non, c'est moi qui suis con. Bah, du coup, bah, on va faire l'enfant perdu, là. Putain, c'est loin. Oh là là, c'est loin. Petite sauvegarde. On va aller voir les trucs d'alchimie que j'ai gagnés. Ok. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ça monte 5000 balles la nouvelle armure. Aïe, oh là là. Qui build 300 balles. Ah, c'est pas foufou, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, il est gentil. De quoi? Mais je t'ai... Mais non. Ah. Mais non, mais j'ai mis 7 drogues et 6 d'explosifs. Mais il m'a donné une pétale de rose. Mais... Il est où mon... Quintuple loot. Mais non, j'en peux plus. Mais non. C'est quoi ça là-bas? Eh, vas-y. Vas-y, y'a trop de monde. Y'a trop de monde en plus. Ouais, mais je peux pas là maintenant. Hop. Ah, mais c'est parce qu'il y a elle que je prends cher. C'est pour ça que je prends vraiment trop de dégâts avec la l'autre pute là.
C'est... Même s'il y a 15 noyeurs, ça pose pas de problème. C'est vraiment l'autre là, elle me fait vraiment beaucoup trop de dégâts, c'est impossible. Et même en utilisant Ken, enfin Quen, je sais pas si je peux m'en sortir en fait. Genre eux ils posent pas de problème, tu vois, je les sale un petit peu comme des mouches. Genre je peux les 1v100 sans problème. Plus ou moins Guts. Voilà, hop. Alors, non, cerveau, je m'en fous. Enfin, je prends quand même, mais... J'aimerais vraiment bien avoir 10 langues, là. Non, il y en a ici, il y en a, voilà. Putain, je... Bon, c'est pas grave. Oh, merde. Ah putain, il y en a un, il y en a de l'autre côté aussi, faudrait que je les trouve ça. Faudrait que je les trouve et que je les remplisse les hôtels. Il y a rien. Ah si. Ouais, juste un cerveau. Pathétique. Aïe. C'est quoi ça? Ah, juste une planche. Ouais, il y a aussi FR de Shani là, mais je crois que je les ai pas lus en fait. Enfin, j'ai pas lu de quoi les cueillir parce que c'est peut-être ça, tu vois là. Les plantes inconnues, mais bah du coup elles sont inconnues quoi. Voilà, tu veux pas que je te tape, je te tape. Ah bah je le tue. Bon, bah au moins niveau loot. Niveau alchimie là, je commence à être bien rempli, si je puis dire. Parce que ouais, j'imagine que c'est ça, mais Oh là là, mais vas-y, c'est trop chiant. Ah, parce que de l'élobore, c'est pas ça. Bah... Si. Bien entendu. Ah non, je peux l'accueillir là qu'il est... Bah... Ah bah non, c'est bon. Non, je peux l'accueillir, c'est bon. J'en ai même déjà une. All is good. Good is all. J'aimerais bien trouver la deuxième pierre. Il y en a une qui était pas loin du village. Elle peut-être est au nord. Ou dans le village, peut-être? Non. Non. C'est quoi qui gueulait, là? C'était quoi le agregrourou qui y a eu là? Je suis pas serein moi. Allez là. Est-ce que je l'ai Yesod du coup? Ah oui, je l'ai, parfait. Parfait. Séphira et obélisque combiné. Le vieux sortilège fonctionne encore. Parfait, j'appelle je sais pas. J'appelle quelqu'un dans l'espace, pas de problème. J'ai pas encore la quête, mais bon, autant le faire maintenant. Ouais, bah j'ai pas vraiment le choix. Ouais, non, vas-y, c'est pas possible. Je prends beaucoup trop cher. Pour ce qu'elle donne. Je suis obligé de tracer ma vie. J'ai Tiferet. Non, donc il manque Tiferet déjà. C'est vraiment de la merde les grosses tiges là. Oh putain, oh l'armée qu'il y a, c'est parti. Mec, là il y en a 5 qui attendent. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Voilà, hop. J'ai vu qu'ils explosent. Mercule. Voilà, parfait. Alors, putain, mais donnez-moi des langues là, s'il vous plaît.
Doit en fumer combien pour avoir des putains de langues? Ils sont partis, ceux qui étaient... Ah non, ils sont là. Ouais, tu feras, je sais pas. Ah, mais vas-y. Ah, mais non, c'est qu'une équinope! Ah, je suis con, j'ai mal vu, je crois que c'était l'autre. Voilà, le feu, c'est fini. J'ai loupé le feu. C'est pas grave. Ils sont beaucoup! Ils sont même plus du tout, en fait. Et voilà! Hop! Un combat rudement mené, un combat facilement gagné. Et il a une langue. Parfait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, le jeu. Ok, sa vie elle est dédoublée. Oh, oh, belle esquive! Belle esquive! Hop. C'est ça qu'il n'y a pas dans le 3, tu vois, les petits... les petites chorégraphies comme ça, bah dans le 3, ils sont pas, quoi. Enfin... Parce qu'il tourne toujours sur lui-même et tout, hein, ça change pas, mais... Le truc qui change, c'est qu'il fait des petits pas et tout, tu vois. Et sur le 3, t'as vraiment l'impression de tourner en rond. Je suis aux portes de la mort. Mangeons une myrtille. Il me lâche vraiment pas. Hein. Voilà, c'est bon. Pour arrêter de pop 2 minutes là. Apparemment, ils ont pas envie. Ça fait combien de langues? 6. Apparemment, 4. C'est tout bon. Cimetière des golems? Pardon. Pardon. J'ai joué à God of War et c'est jamais une bonne nouvelle quand j'arrive dans un cimetière des golems. Ouh, bah, c'est cadeau ça. Ah, il y a un feu de camp. Que je sais pas où j'ai... Au niveau coréen, c'est dommage, mais bon, après le 3 sera... Oui, 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 non, non. Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Le 3 il se rattrape étonnamment, enfin étonnamment non, mais il se rattrape lourdement avec son scénario qui est en béton armé. Ses musiques qui sont magnifiques. Parce que là, l'ambiance elle est folle hein, sur le 1. Mais les musiques du 3, oh là là, c'est n'importe quoi. C'est un niveau de bonheur, c'est impossible. T'as le mode de revenir sur le 3 ? Pour commencer le DLC en découverte. Ah ouais. Ah bah je les avais streamés il y a longtemps. Il y a fort fort longtemps. Les DLC. Comme tout le jeu d'ailleurs. Tu vas tellement kiffer Blood and Vine. C'est le meilleur DLC. Hein. Augmente les gammes, empêche d'esquiver ou de parer les attaques. Ah oui, mais là je peux faire des trucs. Alors attends. La meilleure résistance au poison, une très effet de poison, ça je m'en fous, liseron c'est quoi. La meilleure résistance à l'acide et les poisons à base d'acide, c'est cool. Bon ça je peux pas, c'est normal. Loup c'est améliore les chances d'asséner un coup critique, c'est pas mal. Vas-y je vais faire un tonnerre. Bah c'est même film, je compte les streams. Ah nice. Le jeu de base et les DLC ou juste les DLC? C'est que les DLC, ça va, c'est tranquille. Si c'est le jeu de base et DLC, plutôt bonne chance. Hein. Vraiment, vraiment, toute bonne chance. Alors c'est quoi, c'est... Il me faut deux élixirs. Bah non. Non, un vitriol, un rubis, un hydragigume et deux vermillons. Vitriol. Vinaigre de vin blanc. J'en ai quasiment plus. Prends un croc. Ensuite, cadavérienne pour du rubis. Pouah, pouah, pouah. Ah si c'est bon j'en ai 15. On fout. Hydragégume. J'ai un truc qui fait de l'hydragégume. Non, non.
Là, j'ai du gui. J'ai le gui. Le gui. Gui. Cet garçon a de l'autisme. Ce garçon est malade. Voilà. C'est parti. Un petit tonnerre. Faire de l'eau du coup, mais bon, c'est pas grave. Tu m'as déjà fait dans le 1 pendant un blanc. Ça me fait penser que dans le 3, tu n'as jamais de blanc. Mais oui, non, mais c'est pas. Le 3, c'est. C'est vraiment la musique. Les musiques de combat, etc. Tu vois, elles sont ouf. Et l'ambiance est aussi ouf. Mais tu sens plus le temps passer dans The Witcher 3 que dans The Witcher 1. Le temps dans la vraie vie véritable, je parle. Et même si là, c'est un petit blanc. Bon, après, c'est en stream, donc je le fais durer un petit peu et c'est pas normal. Mais je sais pas, quand t'es en jeu sur la carte, bon, je me fais en permanence, donc c'est chiant, mais en ville, tu pourrais rester vraiment de balader 3 heures et ça serait vraiment tranquille, quoi. L'ambiance, elle est complètement. Il y a des golems là-bas. Elle est complètement niquée, c'est trop bien. Ces géants se sont immobilisés en plein mouvement il y a longtemps de cela. Je suis pas fou, j'ai déjà stream avec la 4G du phone, c'est pas pratique. Ah ouais, non, bah ça. C'est pas pratique du tout. Ça va l'air vieux, non? Oh, j'aime pas ça. Oh là là! Oh là là, je peux leur donner des trucs. Oh, je peux les réveiller. Tu Herzel del plat et. De quoi? Attends, quoi? Ah, mais attends, j'attends qu'il se désactive. Il va activer les trois en même temps. C'est ça que t'es en train de me dire, le jeu? Qu'est-ce que tu cherches à dire, Kaidan? Tu rappes, là, non? Je sais pas. Attends, ça dure longtemps, là. Tu peux t'éteindre vite fait, là? Remplace tout ça pour Oblivion, ça fonctionne aussi. Ouais, non, je sais pas, je trouve pas. Je trouve vraiment pas. Moi, si je mets deux autres. Ah, mais je me suis frappé par la foudre. D'accord. Ok. Je vais sauvegarder. Donc la vie pue la merde. Ça arrive. Alors, 1, 2, c'est pas le bon. Ok, du coup, il m'en reste plus qu'une, non? Milieu, ah non, il m'en reste deux à tester. 1, 2, 3. Putain! Attends. Mais mec, c'est trop bizarre! Enfin, les grandes villes dans Oblivion où t'as mille trucs à faire et l'ambiance te porte. Ouais. Mais c'est le même genre, hein. Mais je sais pas, je préfère The Witcher à Oblivion. Mais attends. Attends, je vais manger un bout. Ça me saoule d'être dans le gris par accident là. Ah putain, 9 minutes. Ils sont gigantesques. Et lui est en train de se. Oh, je me casse la gueule! Mais attends, parce que j'ai testé quoi? Hop, sauvegarder. J'ai fait 1, 2 et 3. Ça, je meurs. Voilà. Parce qu'attends, faut. Parce qu'il y a plein de combinaisons en fait, du coup. Là, j'ai fait 1, 2, 3. Je vais faire 1, 2 et 3. Pas ça. Donc, ça commence pas par le premier, ça c'est certain. Enfin, par celui de gauche. Du coup, je vais faire 1, 2, 3. Ah, bah non, celui-là il marche pas. Je peux pas l'éteindre. Bon, ouais. Celui-là il marche pas.
Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Hein. Mais moi, si je peux allumer, je teste. Hein. Du coup, 1, 2, 3. Cuscus, Adoué, merci de passer photo. Ça a marché? Ouais. Ah bah non. Ça a marché du tout. Ah, ça sert à rien? Putain, bon, je me casse. C'est bon, une quête. Ah merde! Mais vas-y, moi j'ai délivré des trucs aussi là. Bon drôle. C'est même pas le fun. Alors. Ah, enfin un chemin. C'est quoi là-bas? C'est une bien belle forêt qu'il y a là-bas, dis donc. C'est bizarre, c'est bien beau là, alors qu'il pleut. Puis comme je kippis. Vas-y, je vais aller voir. Qu'y a-t-il donc là-bas? Bosquet des druides. Ah, c'est ça qu'il faut que j'aille. À en croire la végétation, je dois être dans le bosquet des druides. Hop, je vous en prends, faut pas m'en vouloir. C'est quoi ça? Putain, une wyverne! Putain, ils ont des... Mais c'est trop stylé! Mais c'est trop stylé, ils ont des wyvernes! Ah, Irden! C'est un piège magique qui ralentit vos adversaires. Nice. Plus qu'un. Et on sera bon. Plus qu'un et on sera bon. Bienvenue au bosquet des druides. Salutations. Je viens dans cet endroit lorsque j'ai besoin de réfléchir. Mec, la petite ouverne, elle est trop mignonne. Qui règne rend les idées claires. Elle est trop kiki. Un mot de plus pour me dire comment trouver le foyer. Tellement fait dans un mur. Ouais, mais dans le 3, les sorts, ils sont trop bien utilisés. Le sarcasme et le... Enfin, ils sont vraiment stylés à voir et à utiliser. Oh, un elfe psychanalyste. D'habitude, c'est des grands fils de pute. Ça change. Ils ont l'esprit très complexe. Des décennies à vivre aussi longtemps parmi les humains, on ne peut éviter de les copier. Vous parlez d'expérience. Quelle répartie! Je me nomme Geralt. Et moi, Yevin. Je voulais vous parler. Ah oui? Ok, alors. Que pouvez-vous m'apprendre sur les vôtres? Qu'est-ce qui peut agacer un elfe? Allons prier sous les arbres, pour le pas qui écrase la bruyère, pour le sang qui a été versé, pour le destin qui a été gâché. Ah, mais c'est pour ça que personne vous aime! Pour la mort, peuple de merde! Infligé par le glaive, pour la souffrance d'autrui et nos propres larmes. Mm-hmm. D'accord, ok. Question, t'as le choix de dialogue ou un... Oh là, attends, j'ai... Gros AVC de la part du joueur français, il bave. Question, tes choix de dialogue ont un impact sur l'histoire comme Mass Effect? Alors, pas tous, mais certains, oui, complètement, Naito, comme le premier gros choix dans la ville, enfin dans le premier bourg où t'es, j'ai littéralement fumé tout le monde dans le bourg avec mes choix. Voilà. Mais j'ai baisé une sorcière, qui était bien bonne, en échange. Et ça, c'est pas mal. Tout à coup, j'ai envie de les brûler. Forgnails. En quête de travail. Je dois faire parvenir une lettre à Vizima où je ne suis pas le bienvenu. Vous triompherez sans peine des monstres sur le chemin et du zèle des gardes de la cité. Oui. À qui dois-je la remettre? À Vivaldi. Ah, bah faut que j'aille parler, parfait. Pourriez-vous me rapporter sa réponse? Pour la défense des arts, c'est vrai qu'ils l'avaient tous mérité. Je m'en occupe. Merci. Ah non, bah c'est vraiment un kiff, ouais, les jeux où t'as... Oh, ça me fait peur. Les jeux où t'as vraiment une incidence... Revenez demain matin. Oh non. Y'a pas de quoi dormir, j'imagine. Pas un petit feu. Oh, gentil loup. Momo, y'a des loups. Momo, y'a des loups.
Ouais, il manque plus que Axi. Par contre, j'ai aucune idée où le trouver. Il y a de la mire. Un qui pour moi est sous côté de Star Wars. Ouais, j'ai jamais. Ah là, c'est des loups méchants là. J'ai jamais joué à The Old Republic. Hop. Ok. Moi je veux juste visiter. De... Pourquoi ils ont des loups méchants juste à côté de chez eux? Hop. Ouais, je vais les prendre quand même. Hein. Pauvre petit loup. Voilà. Pardon. Ah. Vous avez pas des plantes que j'ai besoin, moi? S'il vous plaît, les mecs. Sincèrement, si tu payes pas, tu vas galérer pour monter. Ouais, bah voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est qu'il est derrière un gigantesque paywall et vas-y, c'est mort, Nick. Vraiment grosse flemme. Mais non, mais attends, j'en ai marre de tuer des loups, ça sert à rien. Ah, alors là, c'est la merde. Alors là, messieurs, c'est la merde. Oh putain, il y a plein de loups. Bon bah attends. Voilà, hop. Oh là là, les pauvres loups, mec. Ouais bah tu donnes niveau supplémentaire, je viens de me fumer 45 loups là. Mec, j'ai stun tous, j'ai hop. Un petit coup dans les un petit coup entre les deux yeux. Bon bah là, là mec. Ah je suis blindax. Mec, j'ai 17. J'ai 17 fois. J'ai 17 fois de. J'ai 20 fois de loup, voilà. J'ai 20 fois de loup sur moi. C'est n'importe quoi. Ah. Ah, Oak là. Je l'ai, non? Ah, je l'ai pas non plus. Donc, il m'en manque deux encore. Un truc que j'ai fait faire, Yader, c'est que j'étais Mandalorien. Genre un site me paye pour tuer un mec, je vais pour tuer ce mec, et là il me donne une plus grosse somme que le site, bah j'ai tué le site au final. Ouais, bah non, mais ça c'est cool ça. Ça c'est trop bien même. C'est trop trop cool mec. Mais tu pourrais avoir un mec ça. Sérieux. Non, les shows comme ça c'est vraiment trop trop bien. Rien que pour le joueur, tu peux faire ce que tu veux du coup. Et ce sentiment, mais c'est trop cool. Attends, du coup, j'ai encore une quête dans les marais, là. Ah, mais oui, je dois récupérer des... les fleurs. Ah, mais non, mais attends, putain. Eh. Merde. 6h du mat, c'est bon, c'est assez tôt, non? Faites pas chier. La petite regarde. Et tu peux vraiment faire genre un site lumineux. Un jeu obscur, c'est ça que je kiffe. Ah, bah ouais. C'est pas... ça se cantonne pas au... À l'univers, enfin justement, ça prend l'univers étendu quoi. Et ça, c'est Gouchi. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu Disney qui. Merde, de toute façon, on en reparlera plus tard. Je pense, peut-être. Mais vous avez vu Disney qui littéralement chie sur le. Revenez demain matin. Mais on est le matin! Il est 6h30 du matin! Je peux pas faire plus ce matin! Putain! Et du coup, Disney qui a littéralement dit: ah bah en fait c'était un clone! Je ne dirai pas de qui, mais au cas où il y en a qui l'ont pas encore vu. Gwynblade. Gwynblade. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame. Gwynblade, qu'est-ce que ça signifie? Loup blanc. Vous savez qui je suis? Votre réputation vous a précédé. La blague est valide. Ah merci, merci, merci.
J'ai perdu la mémoire. Oui, il va falloir en parler au Forgecast. Mais je sais pas quand, mais c'est peut-être bientôt. Néanmoins, vous avez toute ma sympathie. Pourriez-vous m'aider ? Malheureusement, non. Mes sœurs à Broquillon. Oui, vous m'aidez, j'ai un énorme bâton turgescent qu'il ne veut pas descendre et qui me fait bobo. Madame. Mais après, c'est des dryades, c'est normal que ce soit tout nu, les dryades. Non ? Parlez-moi de la vie des dryades. Mais c'est pas une elfe, Hadès, c'est une dryade. Notre-Dame, nous arpentons les fourrés. La grosse Windblade. Et vivons en harmonie avec la forêt dont nous connaissons les secrets. Êtes-vous heureuse ? Comme les humains, nous connaissons la joie et la paix. Mais notre fin approche. Ah, il y a deux grosses fins que j'aimerais bien approcher, tu vois ce que je veux dire. Que faites-vous ici ? J'ai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ils ont du Star Wars en plus de quoi tu jouais quoi. Non, mais de l'argent, mon ami. L'argent. Arbres majestueux. Parlez-moi de la vie des Broquillon est notre patrie. Islin, Notre-Dame. Nous arpentons les fourrés et vivons en harmonie avec la forêt dont nous connaissons les secrets. Je t'écoute pas. Je vais pas te mentir. Là, il y aurait mes. Là, il y aurait de. Tu sais, la donne que les streamers ils ont. De moins en moins nombreux. La donne que les streamers ils ont, tu sais, avec le rond qui montre où est-ce qu'ils regardent. Et ben là, je regarde à un endroit précis, mon ami. Et c'est pas ces dreads. Parlez-moi de Broquillon. Broquillon est la patrie des dryades, une étendue sauvage et préservée. J'arrive et bouffe des chamblards. Les voisins peuvent s'approprier la forêt. Il y a pas mieux. Et dryades s'affrontent en permanence sur nos frontières. De quel côté penche la balance ? Nos archères sont sans égal. Oh oui. Mais oh, penche-moi cette grande balance. La puissance brutale. Par exemple, oh là, la logique, on sait ce que bouffe à ça faisait longtemps. Mais en plus, il y a plein de discussions avec. Moi aussi, j'ai le Broquillon. mais j'ai le broc. Bon. Bah, peut-être arriver, mesdames, messieurs. Pourquoi ne pas rechercher un compromis avec les humains ? Je sais pas comment Gérald, il a encore du sang dans le cerveau. Hein. Dans chaque démonstration. Ou alors, quel crack, parce qu'il manage comme un fou. Vous ne nous accepterez jamais. Franchement, ça fait une semaine que je reviens sur le stream, je sens déjà que vous me pervertissez. Oh, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, monsieur est chrétien. De toute façon, t'es sur un chat chrétien. Hein, donc à partir de là, je vois pas de quoi tu parles, en fait. Alors vous soutenez la lutte des elfes et des nains pour leur indépendance. Ces enfantillages ? Ils ont oublié depuis longtemps le sens de leur lutte. Se gavant de sang et de vengeance, plein de mépris envers les humains. Ils ne voient pas qu'ils agissent comme eux. Nous défendons simplement notre patrie, Gwynblade, et ne complotons pas dans le but de rejeter les humains à la mer. J'avais pas vu, mais il y a de la physique sur les dichons. Voilà. Chrétien, un jour, t'as jamais dit à la... Ah, tu ne mourras pas. DGSE n'entendra pas ces mots. Bien entendu. Et c'est pas... Je peux dire Hanouka et dire on est sur un chat chrétien. Et les deux, c'est une vanne. Le mec, c'est... Mais bien sûr qu'il s'est fait taper par Jean Vert. Parlez-moi de... Mais attends, mais pourquoi il y a encore des dialogues, ça ? Comme les... Oui, mais... De quel... C'est triste. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Alors. Putain, encore 6h30, ça va pas passer le temps. C'est merde. Ah mais y'a un... Putain, mais j'ai pas non plus. Keter. Mon père, le prochain Star Wars, après, il peut faire pire qu'un FO, bah... Inch'Allah, hein, on verra bien ce qu'ils font. Je sais ce que je dis, le jeu devient bon. Parce que le jeu, il était mauvais avant, Rome-tout. Depuis le début des streams, le jeu, il est bien. Hein. Peut-être que tu parles. Revenez demain matin. Mais il me saoule par contre. Hein. Revenez demain matin. Inwet Strade Kaebe Aen Kaern. Revenez demain matin. Il date d'il y a 13 ans. Je te laisse faire le calcul. Mais je sais pas si c'est une phrase random ou c'est vraiment demain matin.
Tu me parlais, ça fait 5 ans que je le suis, que je les suis, et je sais que cela va vite, c'est une horreur. Ah bah c'est ça qui est bon. Mais c'est ça qui est bon. J'ai connu Yadar, il avait 16 ans et 6 ans. Ah, ça te chire, va. Putain, c'est vrai que tu... C'est vrai que tu vas... Ah, quel bonheur, Dwally. Ah, des bisous. Mouah. Gros bisous. Merci beaucoup, Dwally. Tu sens bon et t'es bien beau. Mec, tu m'as connu il y a... Putain, quand j'avais 16 ans et que j'étais argent, maintenant je suis... une merde. Non, maintenant je suis... Ah, du pain. Du poulet. Maintenant je suis DMG. Je vais prendre l'eau. Et il est, j'en fous. Ça n'a pas changé quoi. Ah bah non. On change pas une équipe qui gagne. C'est bien connu. PMChen, moi avec Adwin perso, je suis ses conneries. Ah mais tu n'as pas été le seul et tu ne seras pas le seul. Ah mais il y a un feu de camp à côté, je suis trop con. Non par contre, sans blague, on joue maintenant Kinvel, je te détruis. Voilà, je te le dis, je te détruis. Mais tu croyais que j'avais quel âge, Hadès? Tu croyais vraiment que j'avais quel âge? Heureux, Alain Jerema. Ah non, attends, je m'en fous. Attends, pardon, parce que à dire de la merde, je suis pas concentré. Un peu plus de 25. Ah oui! Ah, mais tu m'as pris pour un vieux con, mais t'as entendu ma voix? C'est une voix de quelqu'un qui a 25 ans, ça, peut-être? J'ai 16 ans, s'il te plaît. Non, mais oh, voyons. J'ai 16 ans à jamais. Bah, je vais peut-être. Ah, je sais pas quoi. Je sais pas quoi foutre. Je sais pas quoi foutre. Je te vois te connecter et faire genre tu sais jouer. Mais mec, mais j'ai pas, j'arrête pas de faire des games. Et en ce moment, je retrouve mon niveau que j'avais il y a quelques temps, enfin il y a quelques mois, avant d'arrêter de jouer avec, WAP. Parce que du coup, j'ai fait une grosse pause de CS où j'ai quasiment tout perdu. Et là, je reviens un petit peu sur le jeu. Et je suis. Oh là là, je suis un crack! Je suis un clutch player de malade mental, mec. Je me suis impressionné. Je peux jouer depuis le 18 avril 2019, mec. Je crois que la dernière fois que je jouais, c'était avec Fuxi. Non, mais je te fume. Je te fume. L'ennemi aveuglé. Inch'Allah, on se fait ça. Quand tu veux. Bah, je vais mettre un petit peu en argent rapide, ouais. Celui que j'utilise le plus est groupe. Et peut-être mettre un point en dex. Voilà. Mais non, mais les gars, c'est pas... c'est prévu, hein. Mais je peux pas le faire maintenant. Oui, c'est les a bien mis. Coucou Choubi! Comment ça va Choubi? Mais le stream de CS, c'est prévu depuis que je suis bon dessus, hein. Mais le truc, c'est que j'ai pas deux écrans. Du coup, bah c'est pas possible. Je streamerai du CS quand j'aurai deux écrans. Parce que j'ai testé avant, et le jeu, il veut pas. Ok. Plaît-il? Je recherche un garçon. Pas d'autodouble. Bah non. Un V1 et Gavonly. Je ne l'ai pas vu. Les bricotiers prétendent que vous transformez des enfants en dryades. Quelle ineptie. C'est pas le problème qu'ils soient gourmands, le jeu Guide Valsus. Il est. Si c'est Valve et c'est de la merde. Demandez-leur vous-même. Et du coup, dès que je le mets en. Ok, j'ai pas suivi, mais est-ce que je vais me faire vanner là? Ah non, à la dryade. Faut que je parle à la dryade du don. La dryade. Dryade? Mais Starfoula, elle est où? Ce ne serait pas des Wyverns?
Et oui, et dès que je mettais en comment les avez-vous domestiqués ? En 1600 par 900, tu vois, Guinevel. Déjà sur ma télé, ça passait en giga sombre, donc c'était injouable. Et je sais pas, en stream, ça voulait pas passer. Genre, s'il y avait du ram, ça ramait quand je lançais des smokes et tout. Enfin, c'était, je comprenais pas. Alors que sur mon ancien PC portable, le seul problème qu'il y avait, c'était ma gigantesque queue de merde quand je l'avais streamé à l'époque. Parce que oui, c'est vrai que j'ai déjà streamé CS:GO il y a ça, Mathusalem. C'était pas, c'était avec WAP, je crois. Non. Ça, c'est avec Foxy. Putain, je sais plus. Alors, c'est quoi ça? Ah, j'en suis, voilà. En vrai, Yadar, tu chopes des écrans pour 50€. Ouais, non, mais je sais, mais c'est juste que bah, là, j'ai pas d'argent, quoi. Puis j'ai pas non plus. J'ai pas non plus la place, en fait. Ça, le problème. Parce que je peux manage d'avoir un second écran, mais ça va être tendu, quoi. Niveau place. C'est ça qui est chiant. Même si c'est un petit écran. Mais après, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. C'est juste un petit écran pour mettre OBS, le chat. Le truc des dons. Et c'est tout. 300 balles. Putain. Et mec, il y avait marqué que j'étais ban du chat, j'ai pas compris. Bah ouais, mais t'es jamais là, on peut pas. Même t'étais où gratuitement, on peut pas trop, donc. Connard. Et ouais, c'était. C'était avec Foxy. Hein. Ouais, bah je vais aller dormir et puis on va attendre la nuit. Hein. 600 balles! Ah ouais, mais vas-y, ça coûte cher de ouf. Vas-y, je vais prendre juste celui-là. Niveau maximal dans du... Ah! Ouais, 3 euros, hein, de la merde. Bon, bah... Vas-y, je l'achète aussi. Bon, bah, j'ai plus de thunes. Hop, nouvel ingrédient. Et une nouvelle formule. Est-ce que je peux les revendre derrière ou pas? Qui a-t-il? Commerçant. Ah putain. Mais ils font chier. Je peux même pas. Ah, je peux même pas revendre les documents. Bon, vas-y, je vais aller dormir. Attendre pour aller parler à madame la bonne dryade. Ah, bah, je sais que c'est Gucci, hein, deux écrans. Hein. Après, j'en ai un très vieux ici, mais je sais même pas s'il sera reconnu. Mais ce qui me manque là, ici, c'est le câble. Le câble pour brancher d'écran à écran. Je l'ai pas en fait, le câble. Du coup, c'est pas ouf. Bah, il me manque que ça. Je sais pas si aussi, il y en aurait pas un. Ah, mais non, mais là, c'est même pas le confort du streamer, hein. C'est juste pour pouvoir lire le chat, hein. Parce que si je joue en plein écran sur ma télé, je peux pas. Mais tu sais les câbles bleus, Naito, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Oh, mais ça a jamais été un... Le problème de CSGO gratuit, ça a pas vraiment été un problème en soi. Ah, elle est là. C'est... Quoi donc, loup blanc? Oh là 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 là. Oh là 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 là, regarde-moi cette physique, n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça, il manque le câble VGA. Et normalement, j'ai juste à le brancher sur ma télé, à activer l'option sur Windows, et puis je devrais pouvoir l'utiliser. Je cherche un garçon. Les bricotiers prétendent que les druides l'ont enlevé pour le transformer en droïde. Ah mais ouais, mais... Il n'y a que des filles. Le truc, c'est que... Dès que t'as, si toi t'avais acheté le jeu, tu jouais avec des mecs qui l'ont en gratuit. Je vous montre à part en Battle Royale. Mais... Oui. C'est le seul truc. Je souhaite rester fidèle à la tradition de Broquillon. Nous n'invitons des hommes qu'afin de prendre. Ouais, gratuit en bas level, bah, c'est que du cheat, de toute façon. Et les plus agiles. Les ouais, je suis sûr et certain. Les mecs. Unions doivent profiter des qualités de leur père. On a critiqué chez moi. C'est pour ça justement que quand toi t'avais acheté le jeu, tu jouais avec que des gens qui avaient acheté le jeu. Mais selon et tu passais rituel, en prime, en truc prime, je sais pas quoi, mes couilles. Chasseur, apportez-moi une fourrure de loup. Bah très bien. Très bien, j'en ai 40 000. Ah. Voilà.
vous avez prouvé vos compétences. Ouais, non, t'étais juste un petit peu une... Après, après probablement aussi, okay. Hein, mec, hein, mais... Les sorceleurs sont inféconds. Une... Oui, bon, c'est bon, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est Bibi, c'est Yo-Yo. Caca. Sans volonté procréatrice. Quoi? L'intimité peut être agréable. Attends, j'ai pas suivi. Sans volonté procréatrice. Comment ça? Oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Un couple enlacé dans une étreinte peut remuer la terre sur laquelle il s'ébat et améliorer la croissance végétale. C'est absurde. Reprenez vos... Ah merde, non, j'ai échoué! Non, je veux la baiser! Je suis toujours furieuse. Non! Non, attends, je vais dormir. Attends, je vais dormir, je reviens. Sinon, je recharge la partie, je m'en fous. Aucune peine, je te nique ta race dans mes veines que de la glace. Non, non, attends, c'est pas fini. Not today, not on me, not on my watch. Hop, feu de camp. Dodo, 2 heures. 100% on peut la niquer. Et quelle heure? Ouais, peut-être plus là. Et peut-être plus là, je sais pas c'est quoi ma dernière sauvegarde quand même. Elle est où? Elle est pas là? Putain, bon attends, je vais redormir. Au pire, 24 heures seront passées, elle m'aura oublié. Hein? Non? Pas comme ça que ça marche? Attends. Non, attends. Il y aura baise. Il y aura baise avant la fin de ce stream. Si on peut pas la baiser par contre, c'est la merde. Voilà, hop. J'ai bien dormi. Oh là, oh, en rompiche. Mais j'ai bien dormi, dis donc. Attends, c'est quand ma dernière sauvegarde? 22h51? Ah, c'était il y a 10 minutes quand même. Telle est niquée qui crédit, comme on dit. Jamais de la vie. Cassez-vous les monstres. Moi aussi, je souhaite rentrer. Non. 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 Ok. M'en fous. M'en fous. Putain, je suis où? Putain, je suis où, merde? Mais oui, je suis trop dégoûté. Est-ce que je vais la crash? Non. Oh, je vais la crash. J'en peux plus. Mais je me fais coq-bloc par la vie. Mais non, t'as pas le droit. Je l'aurai. M'en fous, je l'aurai. Je ne coupe pas ce stream avant d'avoir trempé la kick. Je peux relancer le jeu, s'il te plaît? Je t'en supplie? Non, j'ai pas le droit? Steam, s'il te plaît? Je veux sa carte! Je veux sa magnifique carte que je la mette dans le thumbnail! Ah, jouer, putain, enfin! Allez, let's go. Oui, je sais. Voilà, chargé. Forêt démarrée. Oui. Ne crache pas, s'il te plaît. C'est parti. Voilà. Bon, moi, j'ai récupéré ma thune. Et je pense que je vais juste prendre la recette... de la potion. C'est tout. Ça coûte 300 balles, c'est pas si cher que ça. Il est quelle heure? Il est 7h du mat? Non, il est 6h30. Oh putain. Je peux encore lui parler, ça sert à rien. Faut que je parle d'abord au druide. Mais apparemment, 6h30 du matin, les druides, pour eux, c'est la nuit. C'est Golemon, là.
J'avais mis quoi? J'avais mis là. J'avais mis là. Pour les forts de Shani, s'il en vend... Ah putain, j'ai pas vu. J'ai pas regardé s'il en vendait, ouais. J'ai regardé ça aussi parce qu'il me manque... Mais il me manque deux. Ok. Ok, monsieur. Putain, il est encore là. Mais attends, what? Comment les avez-vous dressés? Avec beaucoup de travail. Ne croyez pas qu'elles soient droguées ou attachées. Il y a eu... Aucun. Sauf pour le crétin qui a voulu leur brosser les dents. Ah, j'avais pas fait gaffe, ça. Je vois. Des beurres. Autre chose? Oui. Alors... Non, 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 non. Non, non, bah il en vend pas. Juste tu as acheté ça, ça suffit, voilà. Hop, non merde, ça. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Forêt de Maribur. Je recherche les bricotes. Adieu. Ok. Hop, sauvegarder. Parallèle à la dryade. Gwynbled. Je suis pas de secrétaire. Eh. Alors, Je cherche un garçon. Il n'y a que des filles chez les dryades. Je ne voulais rien. Je vous montrerai volontiers d'où viennent les jeunes dryades. Oui. Je souhaite rester fidèle oui à la tradition de Brokilon. Miam miam gonichon. Oui, c'est moi Gérald. Les sélectionnons les plus forts et les... On a critiqué chez moi de nombreuses choses. Je vous crois. Mais selon le... Quoi donc? Voilà, alors, 10, m'en fous. Vous avez prouvé vos... Lequel? Les sorceleurs sont infect... L'intimité commence. Alors, du coup, un couple avancé, ça marche pas. Est-ce que l'anxiété... Ouais, mais l'anxiété, elle s'en fout, c'est une dryade. Non? Ou juste pour le plaisir? Ou les deux, je suis niqué? Le sexe... Nous, les dryades, devons être vigilantes oh et agir... Oh, dis-moi que c'est la bonne réponse. ...pour défendre notre patrie. Et mon corps est avide d'amour. Désirez-vous être mienne? Oui. Venez. Oh, quel bonheur! We did it, guys! We did it! Le ratio respecté, on est bon! On est bon! Quel bonheur! Mais oui, quel bonheur! C'est génial! Tu parles plus? Savez-vous d'où viennent les jeunes dryades? Bah... D'où viennent les jeunes dryades? Ah, donc du coup, je l'ai baisé, j'ai plus de dialogue. Bon, c'est pas grave. Oh, quel bonheur, c'est fait. Voilà, une bonne chose, je peux quitter, voilà, je peux arrêter mon stream, toi bien. Je vais sauvegarder avant que le jeu y crache, voilà. Hop. Comme dans la vraie vie. Ah ouais, t'as fait ton affaire, tu peux quitter. Attends, fais voir, ah, fais voir la photo. Ah, c'est joli, c'est joli. Putain. Ok, alors la quête, du coup. Faut que j'aille parler à la vieille, c'est ça? Non, est-ce que ses soupçons sont infondés? Ok. Attends, j'ai pas parlé à l'autre con d'elfe aussi. Oui, j'ai eu ce que je voulais, c'est parfait. Mais vas-y, je me disais que c'était la bonne réponse, mais je voulais faire mon romantique. Que pouvez-vous m'apprendre? Je ne pour la mort, la. Que pour. Alors pour le. Ah. Bah, j'ai déjà pris sa quête du coup. Bon, on va rentrer par la vieille. Ah, mais dans la vraie vie, je suis pas Gérald, moi. Ni Henri Galville. Et c'est bien dommage. Enfin, moi aussi, c'est bien dommage, quand même. Roule, 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 arrête. Mais oui, mais passer des dialogues, c'est toujours rigolo. Ça, c'est un truc de l'époque où il n'y a pas de fun, ne te rappelle pas. Moi, puis après, t'as une gigantesque épée, tu peux les fumer, donc... Allez, Bucron. Qui t'es, toi? Gérald, le sorceleur.
je viens en ami. Ça reste à prouver. À qui ai-je l'honneur ? Yaren, je représente les bûcherons. Ok. J'aimerais vous parler. Parle. C'est ce que je fais ? Vous êtes responsable de la coupe des arbres ? Non, on fait peur aux pivers. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. Voilà, t'es qui ? Putain, j'avais pas vu qu'il y avait des runes sur son casque. Oh putain. Vous travaillez pour votre compte ? On est indépendant, mais on a des commandes de marchands comme le Varden. C'est des semaines de boulot et un bon petit pécule. Ah, moi aussi j'adore les bons petits pécules féminins. Pardon ? Comment ça se passe avec les gens d'ici ? C'est qu'une bande de tarés. Vole-lui son casque. Mais pourquoi ? C'est un nain. Et puis y a ce il va me piser la gueule. Qui aime pas qu'on abatte des arbres. Il va me courir après dans le centre commercial. Vous avez du travail pour un sorceleur ? C'est pas rose, mais les bêtes nous foutent une paire royale. Rien, alors ? Peut-être, pour quelqu'un qui aime le risque. Je vous écoute. Les bidantes doivent déjà être en fleurs dans les marais. Et ça a de la valeur, c'est ça ? La drogue qu'on en tire en a. Si tu ramasses des fleurs, il y aura à gagner pour nous deux. Je dois barboter dans la vase, affronter mille dangers et revenir partager. Tu sais même pas à quoi ressemble une fleur de bidante, ni où la revendre. C'est bien, ouais. D'accord, je vais mettre ma panoplie d'herboriste. Parfait. Les bidantes, ça ressemble à des orchidées rouges qui poussent dans les marais. Tu peux les vendre au gars du bac. Demande aux habitants des marais si t'en rencontres. J'apporterai les fleurs aux passeurs dès que j'en aurai trouvé. Ok. Mais attends, j'ai pas fini de parler avec toi. Vous êtes... Non. Oh. Oh le... Oh. Mais... Mais... Vous travaillez... On est un des... Vous êtes le chef des bûcherons ? Ils ont bien de la chance de m'avoir, ces bons à rien paresseux. Oh. Tu vois le moustachu, là ? J'ai beau faire, il pisse encore dans ses bottes. Ah, mais il est autiste aussi. En main. C'est dangereux par ici, faut de la discipline. Faut une main de fer pour qu'ils puissent rentrer chez eux. La plupart, en tout cas. Ça ne vous effraie pas de travailler dans une contrée pareille ? Les gars, ils leur font... Oh, mais non, mais faut arrêter les gros plans. Le risque. Les plans à la Jean-Luc Godard, faut arrêter. Les arbres ont une valeur particulière ? C'est ce qui reste de la forêt primaire. Des essences rares, ça donnera des parquets exceptionnels. Ok. Bon vent. 5 fleurs de bidon. Ok. Bon, bah, je vais passer à travers et puis... bien sûr, on en trouve. Je suis donc dans les marais. Hop, allez, c'est parti. Il manque combien de langues du coup là ? Ah, bien, il manque encore 4. Oh, mais vas-y, elle va me dégommer là. Elle est là. Hop. Dommage que tu puisses en tuer qu'un seul avec l'animation. Prends trop de temps. Genre j'ai dit ça devrait se voir. Ouais, ça devrait se voir. Hein. Hop. Oh bah. Il est tombé tout seul. Quelle grosse merde. Ok, je me suis stun dans ses côtes. Hop, je vais le tuer vite fait, voilà. Ah oui, merde, Ini, Yarden, voilà. Ah là, par contre, ça bouge pas, c'est vraiment... ah, d'accord. What ? Oh, ça, faudra l'améliorer parce qu'il est pas foufou. Ouais, je vais mourir là. Oui, je suis mort en fait là. Oh, attends. Non, j'ai pas eu le temps. Oh, fais chier. Elle date de quand la sauvegarde? Bon, d'après que j'ai fait mon affaire. C'est où ça?
Non mais putain, attends, je fais n'importe quoi. Attends, je me... Pardon. Mais non, faut que je le refasse. Putain. Mais attends, j'ai pas parlé avec déjà. Savez-vous d'où viennent les jeunes dryades? Bah si, bah attends, elle est pas dans mon journal. Ah si, dryade. D'accord, ok, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Bon, bah, je vais repasser par les bûcherons. Ça me fait chier, c'est... Je prends pas beaucoup de dégâts contre les noyeurs et les noyadés. Mais c'est vraiment la plante là qui m'a... Elle m'a vraiment enculé tous mes points de vie. Je sais scène d'un truc. Bon, je suis en stream, mais... Comme ça, je pourrais regarder la belle tartiflette de funérailles. Enfin, attends, c'est vrai que j'ai coupé. Attends, parce que du coup... attends. Alors, je m'en fous, hein. Mais je veux voir la tartiflette. Oh, elle a l'air... Oh, elle a l'air bonne. Oh, elle a l'air délicieuse, la tartiflette. Oh, quel fils de pute. prochain tweet, quand je streamerai, j'utiliserai Chubby. Et je vais le mettre dans le thumbnail aussi. Merci, Chubby. Espèce de gros enculé. Nice. En plus, il est bien découpé. Vous êtes non. Vous trompez. Vous êtes... Ça ne l'est... Comment ça se... Merde. Vous êtes... Merde. Non, je vais un peu vite en besogne. Vous êtes pris, peut-être je vous écoute. Et là, j'ai plus. D'accord, ok. En fait, quand tu passes les dialogues, comme ça, tu sais, ça me fait penser à quoi? Je boirais bien un coup. Ça me fait penser à Bumblebee dans Transformers 1. Quand il parle avec la radio. Ah oui, save. Voilà. Je sais pourquoi j'ai du mal à save là. Je crois que j'ai trop l'habitude de God of War, où ça save automatiquement, tout le temps. Mais il va crever un jour ! Putain ! Ah, c'est vrai que je leur fais pas beaucoup de dégâts là. Ah mais c'est pour ça que je leur fais pas de dégâts aussi, putain. Bien vu Hades, oh là 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 là. Ah bah oui, bah ça descend un peu le vide déjà la vie hein. Putain. Non, non. Mais c'est quoi son problème? Pourquoi le jeu il crash? Putain, j'en ai marre, mec. Pourquoi le jeu il arrête pas de crasher? J'en peux plus. Putain de marée à la con. Vous me faites chier. Et c'est reparti. Bon, je vais juste finir la quête de Vaska, là. Je sais pas pourquoi je hurle. Ah si, je sais pourquoi je hurle. Parce que mon jeu, il crache. Je vais juste finir la quête de Vaska, je pense. Puis je couperai le stream, là. Essaye quand même de me faire les noyades vite fait. J'aimerais bien avoir 10 langues pour l'autre quête, là. Et puis ouais, je finis ça, et puis j'allais dire, je vais me laver, mais non. Je vais couper le stream. Allez, attends, voilà. Voilà, là ça va être plus simple.
Voilà, hop, voilà, là déjà je me perds aucun. J'ai un pas de point de vie. Ils vont se faire enculer. Voilà, hop. Finis-le. Oui, je sais, c'est triste. Ok, parfait. Nice. Plus que 3. Plus que 2. Plus qu'une. Ok, on sort. Faut l'accumuler pour l'armure. Pour l'armure, hop, tu commences à prendre cher quand même. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est pour ça que j'aimerais bien finir toutes les quêtes en fait là. Parce que finir ça, ça me donnerait beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, 10, ça c'est fait. Vas-y, je vais voir Vasca. Ah, bah, 5K, bah, j'ai 1000 là. J'ai combien? Ah, j'ai 1100, ah, plus que 4000 quoi. Ah, ça se fait, ça se fait. Il faut juste que je fasse les rançons quoi. Enfin, les rançons. T'as compris quoi. Je l'ai fait lui. Ah non, je l'ai pas fait. Bah, attends, je vais clear ça parce que Odd, je l'ai, je crois. Non, ah. Mais non, j'ai cliqué. Mais non, mais j'ai cliqué. Par contre, c'est dégueu, putain. Et tu craches pas, hein. Ouais, faut que je vende aussi squad plus. Ah, putain, fais chier. Ouais, non, mais c'est pas instantané, là, j'ai oublié. Si c'est bon. Merde. Tant que temps ne l'avons jamais fait. Bah non, c'est dommage, wesh. C'est pas parce que là je meurs un petit peu comme une merde, parce que je fais pas attention, je suis pas concentré, tu vois. Mais non, c'est dommage que tu l'aies pas fait, il est génial le jeu. Je suis vraiment bien content de le faire maintenant, tu vois. Parce que c'est vraiment un pur kiff. Il me connaît gros, j'adore The Witcher, mon pseudo vient de lui en lui-même, et mec c'est une purge. Non, c'est pas une purge. Tu peux me dire que c'est une purge. Surtout sans y avoir joué. Tu peux vraiment pas dire que c'est une purge si t'y as pas joué. Et là c'est vraiment pour de vrai quoi, c'est pas juste un mime. Ça aurait été à Vizima. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que jusque Vizima c'est que du bon d'ailleurs. Justement c'est les marais juste après où ça commence à être un peu relou niveau aggro. Ah moi j'adore. C'est vraiment un style de jeu que j'apprécie énormément. Okay, ça c'est fait, je me casse maintenant. Ah non attends, il y a Odd, attends, je vais manger un petit peu de raisin. Non pas ça que je veux, je m'en fous. Voilà. Non, il est différent des autres, mais de là à dire que c'est de la merde, faut pas... Ouais, non, il est clairement différent du 2 et du 3, hein. Le 2, ils ont tenté quelque chose de nouveau, et le 3, ils l'ont affiné. Mais de là à dire que c'est de la merde, c'est mentir, c'est de mauvaise foi. Vraiment, il y a celui-là, mais il est où l'autre? Oh, bah, ce sera pas maintenant, hein, le 2, hein, ce sera pas maintenant. Bah, après, il y a Popo qu'on avait fait un petit peu du début. Non. Me faire chier, dégage. Deux super, trois jamais fait. Ah, c'est dommage, ça va rentrer le 3, il est quand même. Il est long et chiant en fait. Il est long. Putain, mais elle est où la pierre? Allez, là-bas. Il est long et avec tous les points d'interrogation, il peut être chiant. Pour certains, tu vois. Donc, ça peut décourager.
Je comprends, tu vois. Et le 2, moi, c'est le seul que j'ai pas fait. Ah merde, je suis passé. Ouais, clairement, quand j'ai voulu le faire, le 3 n'était pas encore sorti, j'ai pas vraiment réussi à accrocher. Ouais, bah c'est très particulier, hein, comme... Ah oui, il est tout seul. C'est très particulier comme gameplay, hein. Je vais pas te mentir, hein. Merde, pas trop tôt. Oh non, jure, ça m'a touché. C'est pour l'endu. Putain, j'ai rien pour la vie. Oui, mais meilleur vin du monde, mais m'en fous. Bon, je vais boire un peu de vin. Hop. Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ça, j'aurais d'autres trucs. Dans le marais, faut bien farmer parce qu'il donne plein de trucs utiles. Attends, sauvegarder aussi. Oui, ouais, non, clairement, il y a le temps. J'ai le temps, mais je dirais, ouais, bah, je crois que je me suis répété. Mais il va falloir t'accrocher pour faire le 1. Enfin, je sais pas si toi ça t'attire ou pas, mais moi c'est le genre de jeu qui me plaît vraiment bien à faire. C'est parce que surtout quand t'aimes... Ok. Surtout quand t'aimes le 100%. Parce que c'est que des petites maps en fait. C'est... Le jeu est immense, mais il est coupé en plein de petites maps que tu peux 100%, tu vois, faire toutes les quêtes tranquilles. Et moi j'adore ça, c'est vraiment un gros kiff de faire ça. Du coup, c'est pour ça que j'adore autant y jouer. Et le gameplay, bah comme tu le vois, bon, je suis en normal, je me fais un petit peu péter la gueule, mais c'est pas insurmontable. Tu peux faire des potions, c'est cool. Enfin non, c'est vraiment sympa, c'est pas si compliqué que ça. Non, moi j'aime bien. Il y a 5 chapitres dans 1, je crois. Pas, je pense au deuxième, là, non? Ou au troisième, je sais plus. Je suis peut-être au deuxième chapitre. Ouais, je vais faire le vieux connard, mais si vous voulez vous faire le 3, faites-vous les bouquins avant. Pfff, non, pas forcément. Ah, tu fais vraiment le vieux con, là. C'est si tu veux être un peu plus touché dans le lore, et encore, le jeu le fait très bien tout seul, vraiment. Mais si tu veux être... si tu veux être vraiment au courant et tout... Bah fais le 1 et le 2 avant et lis les livres avant aussi quoi, si je puis dire, tu vois. Les druides n'ont pas enlevé votre garçon. Si je le vois, je vous le ramène. Le garçon est parti. Que cela serve d'avertissement. Oh et puis eux ils font chier. Nous devons être prêts. Prêts pour quoi? Les seigneurs de l'eau approchent. Nous jouons au poker. Ce sera mieux comme ça parce que... Allez, j'ai une main de merde. Et elle a une bonne main. Et elle a deux paires. C'est la merde. C'est la merde. Oui. Oh, j'ai un brelant. J'ai un brelant de 6. Dans ta mère la pute. Et voilà. C'est comme ça qu'on tourne une situation. C'est plus le village que tu vas encore nettoyer. Oh, ouais, celui-là, il va disparaître salement. Ok, petite porte double paire. Ok, pépère. Elle a quoi? 5, 5, 6, 4. 2. Dans ta mère, sale pute. Ça me bute, la vie a perdu son fils. En plus, ça va perdre au poker contre un mec qui tryhard. Elle doit 3 avoir la haine. Regarde-moi ça. Boum, brûlante 3 par les 6. Je suis un crack. Mec, le 3 est dosé de références qui sont tellement subtilement placées que pour un mec qui ne connaît pas, bah, son ignorance n'éclate pas comme un furoncle. Pour un mec qui connaît, il est heureux. Oui, mais... Ah, bah, j'ai gagné 0 pièce. Sale pauvre. J'ai gagné quand même la victoire. Pute. Certes, il les aura pas, mais ça va...
Tu le prends du mauvais côté, en fait. C'est pas un mauvais truc de pas les connaître. Quand tu les connais, c'est mieux. Et tu seras touché. Mais quand tu les connais pas, c'est pas grave. Ah, mais il y a Bidon. C'est là-bas. Bah attends, bah si c'est là-bas, je vais y aller. Ce que je viens de dire. Bah non, mais tu dis que celui que connaît pas... Enfin, tu parles d'ignorance, mais... Enfin, j'ai l'impression que tu parles méchamment de pas les avoir lus, alors que non, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bah oui, mais non. Bon. Tu n'es pas ouvert au dialogue. Moi, j'aurais les rêves si je regarde la série Netflix. Easy. Ah, bah peut-être je comprends pas ton message parce que je ne sais pas lire. Ah! Oui, j'avais mal lu, ok, d'accord. Je trace, je m'en fous. J'essaie de récupérer les plantes. Ah, mais il me faut les plantes pour Shani aussi. Il me faut de la Kiliedwan. Putain, mais vas-y. Bon, bah, je vais me balader. Oh, il y a des ruines. Il t'y pose. Le noyeur t'y pose. Ah, J'ai Hassed. Séphira et obélisque combiné. Le vieux sortilège fonctionne encore. Attends, mais j'ai plus de vie, moi. Oh, mais attends, mais c'est la merde, là. J'aurais peut-être dû pioncer à récupérer ma vie. C'est vraiment une bonne quête, Shani. Ça vaut le coup. Bah ouais, je sais, mais je sais. Attends, je vais manger un peu de poulet. Ok, voilà, ça part. Voilà, les noyadés, ils font vraiment rien. Je les encule, vraiment. Hop, j'ai 30 cerveaux, putain. Mais non, mais elle est belle. Mais pourquoi elle est si belle? Pourquoi elle ressort du décor autant? Je comprends pas. Alors, hop. Et hop. J'y vais, ouais, excuse, Chubu, merci de passer. Mais putain, de toute façon, moi, je vais pas tarder à couper non plus. Ça m'a déjà enlevé le... Non, il m'a stun. Non, j'ai un PV. Oh sa mère, j'ai un PV. Mange, mange. Oh là là là. Oh, c'est le clutch du joueur français. Un autre valeur, je prends. Renfort du soldat, je prends. Je fonce à l'assemblée sur place, mes collègues tiennent la tranchée. Ok. Ok, M6 Solar. Ça va? Ça va, Genials? Attends, déjà, je vais dormir. Et je vais préparer des potions. Petite hirondelle, Ruby, ouais. Attends, vitriol, j'ai un autre truc. Voilà. MC Merluche. Dans les bacs. Si ça crache pendant que tu dors, ah bah là c'est trop tard, mec. Non mais vas-y, porte pas l'œil. Si ça crache pendant que je dors, je te bannis, voilà. Je te bannis. Au moins, je suis un petit peu d'hirondelle. J'ai tendu. Je suis tendu du fion.
Relève-toi. Relève-toi, dépêche, dépêche. Mais non. Ok, c'est bon, j'ai toute ma vie, ça c'est tranquille. Hop, pas me faire chier. Voilà. Hop. Dégage. Laissez-moi sauvegarder en paix. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais pourquoi je peux pas la tag, la meuf? C'est pas grave. Je peux vraiment pas m'y réchapper à ça, hein. Il y en a un qui dort, là, ou il est mort? Elle est mort. Voilà. Ok. D'accord. Ah, du bidon. Parfait. Hein. Cet endroit s'est écroulé à cause de la corrosion due au marais. Ok. Ok, Sir Gérald Architecturo. Non, j'ai mis aucun mode pour les graphismes. C'est comme ça de base. Et encore, j'ai même pas fait voir. J'ai quoi comme option graphisme là? Option graphique. Oui, non. Je suis pas à fond. Salut mes 4 ou quoi? Tu veux que je teste à fond? Fais voir, attends. Fais voir si je le mets à fond, si mon PC il peut le streamer. J'espère que je vais pas le redémarrer. Ça vaut quoi, B44? Enfin. Quelqu'un voit le changement? Mmh. Bah moi pas. Peut-être un peu plus jaune. De quoi non? Un sourire bourré et toi? Bon, ça va. Ça fait bien. Non, on le cherche encore. Bah pourtant, c'est à fond là. Pourtant, ouais, c'est au max. Pourquoi Hades il hurle? Je comprends pas. Ça c'est fait. Bah je vais laisser comme ça. Moi j'avais baissé pour le stream, tu vois, au cas où. Au cas où ça me chie dans les bottes. On sait jamais. En fait, ça a l'air d'aller. Ah, il y a de la magie là-bas. Ah, on est deux à être bourrés, c'est beau, putain. Bande d'alcooliques. Oh, par contre, est-ce que là-bas il y a des dragons? Est-ce que je suis... Oh là, c'est la merde. Mais putain! Mais c'est où là, Kiki? Les trucs là, les trucs bien. Où est-ce qu'on en trouve de la. De la Kélidouane là, putain? Oh là, c'est parti The Marais là. Ouais. Elle me défonce ou pas les wyvernes? Oh oui, elle m'encule. Oh, elle m'encule, les wyvernes. Oh, elle m'encule beaucoup, les wyvernes. Oh, je fuis. Hihihi, je fuis. Hihihi. Ah ah ah. Plus tard, les wyvernes. Bien plus tard, les wyvernes. Oh putain, elle me fuit. Putain, ma gueule, non, elle me corner trap. Oh, what? Gotta go fast. J'ai Okma. J'ai pas Okma, putain. Ah bah c'est j'ai druide. Vous avez pas de la kill et douane? J'aimerais bien en avoir juste 5. Ça la prochaine fois en direct on va voir Shani. Oui, mais c'est gentil les loups, c'est bien les loups. Mais c'est pas des plantes. Pas celle que je cherche. Bon bah je prends ça quand même, mais Ah, fait chier.
Mais non, mais le golem, c'est pour une quête, c'est plus tard. Je peux pas la réveiller encore. J'ai essayé, mais je me suis fait taser, donc taser à la mort. Et c'était pas foufou. Ah, il y a une pièce aussi. Mais j'ai pas Bina, de toute façon. Oui, j'ai baisé la dryade. Oui, oui, regarde, B44. Sois fier de moi. Elle est où? Oui, regarde. Oui. Oui. Elle cherche les plantes. Je trouve pas les plantes. Ah, il y en a qui se sont déjà bien fait remplir le gosier, tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais dormir une heure pour avoir ma vie quand même. GG. Ah, j'ai failli... Tu sais que le jeu, il a crash juste avant quand même, hein. Merde. Non, par contre, ouais, j'aimerais bien vraiment juste trouver la plante... Enfin, trouver les deux dernières plantes qui manquent. Et puis, puis couper le stream, quoi. Non, ça va, t'as juste un bon choix de dialogue à faire. Je me suis trompé. Sans pas une fois, j'avais le seum. Je me suis trompé parce que je voulais être romantique. Mais non, fallait juste lui lancer ta meilleure disquette. Et c'est parti. Bon, je vais pisser dormir. Un plaisir d'être venu ce soir. Bonne soirée à tous. C'est ça pour CS. On se retrouve. Ouais, pas de problème. Et merci de passer, Guinval. Cuscus. Bonne nuit. Ouais, 3 crashs pour le moment. D'un seul coup ce soir, enfin d'un seul coup, tout ce soir, comment on va. On n'a pas là, c'est l'œil de Corneille, mais je m'en fous. Je sais pas où ça se trouve. Y'a pas les infos sur la map? Enfin, sur une map, y'a pas des infos où, avec l'endroit précis? Sinon, je coupe maintenant, quoi, mais ça me ferait chier de commencer la prochaine fois à rechercher de la merde. Ah, c'est vraiment juste ça que je cherche, là. Mais arrêtez de me taper! J'allais par là, aller au nord. Merde, j'y ai cru. Là, y'a rien. Là, c'est ça, non? Mais non, c'est pas ça. C'est pas une plante inconnue, hein. Je m'a déjà ramassé. Mais où se cachent donc ces plantes? J'en ai marre de patauger. Monte ta carte vite fait. Merde. Ah mais j'ai pas visité là-bas. Ah mais j'ai pas visité la maison de pépé. Attends, je vais voir la maison de pépé. J'espère que tu as le temps de voir la carte. Par la maison de pépé. Merde. Par la maison de pépé. Cabane sur une île. Oh, je peux rentrer chez pépé. Rituel de magie. Ok. Pépé, dis donc, ça va? Oh. Ah, c'est un... Ok. D'accord, c'est un truc de quête. Vu coffre, t'as quoi? Vodka, vin blanc, hydromel. Ouais. C'est quand même ton... T'as quoi? Oh, t'as bien mangé. Oh, t'as un silex. Ouais, bah, on prend un. Des ossements humains rongés, du cerveau,
Je vais vomir. Bah le cannibale qui vit dedans, c'est Pépé. C'est ma maison. Bah le oui. Le crâne et le cerveau, ils sont humains. Oui. La viande. Oui. Des assiettes et un godet. Pas la peine d'en faire tout un plat. Écoute. Bon. Je ne trouve aucune justification au cannibalisme. T'as une petite mine. Tu veux manger un morceau. Alors Pépé, c'est bien gentil. Pourquoi mangez-vous? Mais pourquoi? J'aime ça. On dirait du poulet. Et c'est bon pour la santé. Une livre de chair humaine équivaut à... Épargnez-moi ça. C'est toi qui as demandé. Mais j'ai des principes. Je ne mange jamais d'enfants. Une intention louable. Les sarcasmes sont inutiles. À l'occasion, je me fais un druide ou un briquetier. Ah, j'aime surtout la viande d'elfe. Il est nain. C'est assez filant. Oh, mais non! Mais non! Une fois, et encore, je n'étais pas sûr de sa provenance. Je l'avais disputé à un noyeur et il n'en restait pas assez pour lui. Oh putain, mais ça quel suffit. Vieux fou! Très bien, je me tais. Vous ne méritez pas de vivre. Oh là, je suis plus utile en vie. Je connais ces marais comme ma poche. Je peux t'aider. Ah? Vous allez fuir dès que j'aurai le dos tourné. Je suis trop vieux pour fuir. Tu es venu ici pour accomplir une mission importante, plus importante que la disparition d'un vieux monstre. Je connais beaucoup de réponses. Bon, vas-y. Je vous laisse la vie sauve. J'aime bien Pépé. Pour l'instant. Merci. Engage ah, nice. Bonne volonté. De toute façon, je peux toujours te fumer après. La formule enfin, d'un élixir. Voilà une information qui pourrait m'être utile. Bon, je te laisse en vie, mais hein? La viande, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais vas-y, il est trop marrant aussi, il est trop rigolo, Pépé. Bon, il mange des gens, Pépé, ok. Alors, ok, peut-être. Oui, bah c'est l'embarcadère, mais... Ah bah là, j'ai tout vu. Ah non, là, j'ai pas visité. Mais bon... Et c'est quoi qui m'a donné Pépé là? Ah. Non, forêt de Maribor, j'ai déjà. Venin du pendu. Poison. Ah, nice. Cool ça. J'arrive pas à trouver tes plantes de merde. Ah, fais chier. Non, bah au pire, si je trouve pas. Si je trouve pas avant minuit, c'est pas grave. J'irai chercher plus tard et puis. Pire, j'irai peut-être les chercher hors stream vite fait. Et puis comme ça, la prochaine fois. La prochaine fois, on retournera en ville. On ira faire la quête de Shani. Puis on verra bien ce que ça donne. J'ai Bina et Malkuth. Ah, mais Bina, je l'ai croisé tout à l'heure, je suis con. Attends, où ça, tour du mage? Comment ça, tour du mage? Attends, je les fume. Non, il avait marqué que j'étais arrivé à la tour du mage, là, non? Je suis pas fou. Une des entrées de journal. Qu'on peut même tirer une offrande de l'entière, la vieille femme, mais avec les faubourgs, machin. Ah, quoi? Oui, mais c'est trop tard, ça. Ça a une chance de one shot ça, mais bon, bah, pas là. Tout ce que j'ai trouvé, ouais. C'est pas grave. Pire, si je les trouve pas, je vais probablement. Attends, mais ça, c'est avec le. Ça fera plus de dégâts ça? Ah oui! Ah, ça fond la vie! T'as pas de reste? Forcément. Mais attends, là, j'étais à côté d'une tour de mage là? Je comprends pas.
Ah, foutette que je les allume tous. Ah non, je suis complètement con, allez là, tour de mage. Quel autiste. Attends, je vais aller voir quand même. Peut-être qu'il y a un mage dedans. Ah, c'est fermé. Oh yes, Kelidouane, plus qu'une. Je vais vous garder d'ailleurs, hop. Il n'y a pas une petite deuxième derrière là? Genre en deux spi. Stop play. Bon, il y a du bidet. Ouais, mais on manque encore une. Oui, non, mais ça, elle est là, mais... Bon, c'est des petits bouts jaunes, la Calédoine. Les petites fleurs jaunes. Donc ça se repère absolument pas, en plus. Enfin, quand c'est tout seul, si, mais... Pas quand c'est pas tout seul. Non, je m'en fous. J'ai d'autres matters plus urgentes. Sors 24 heures et que tu reviens. Non, je pense pas que ça marche, mec. Est-ce que je peux dormir chez papy, tu penses? Non, je pense pas. Comment je repars chez papy? Ah, comme ça. Je pense pas qu'en dormant ça marche. Ah, peut-être que si. Y a pas un... Attends, y a un village. Essaye de repérer... C'est ça? Non, regarde, celle-là, je l'ai déjà récupérée et j'ai dormi depuis, mais... Vas-y, attends, je vais redormir. Mais je pense pas que ça marche. Je vais dormir chez Veska, chez la Vieuc. Et ah. Non, pas Booker, non, Dodo. Dormir 24 heures. Et on va bien voir, mais je pense pas que ça repop en fait. Je pense que vu que c'est une quête, ça doit être prévu comme ça. Non, mais enfin après, ça ferait bizarre que ça repop pas. C'est quand même. Enfin, ça sert quand même au craft. Mais après, ouais, vu que c'est une quête, ce serait pas étonnant. Ah non, ah bah si, ça repose, bon, c'est parfait. Non, bah c'est bon. Merci, Des, merci. Bah voilà, bon, bah du coup, fin du stream. Littéralement, fin du stream. On est quand même allé au ponton. Bah j'espère que vous avez kiffé un petit peu de The Witcher ce soir. C'était avec un grand plaisir que j'ai streamé et que j'ai continué ce magnifique jeu. Mes os sont agités. Voilà. Mes os aussi sont agités. Hop, sauvegarder, voilà. Et puis bah moi je vais vous faire tout plein de gros bisous. Hop, je coupe le son du jeu, voilà. Et puis je vous dis à demain. À demain avec qui c'est qui stream demain du coup. Demain avec Momo qui streamera des trucs, voilà. Et bah merci pour tous les petits subs et puis d'être venu, ça m'a fait grand plaisir, voilà. Hop, mettre une petite musique et puis.